Bienvenue sur la Summon Session de Neosys. Nous sommes sur une Summon Session combinée avec, euh, du coup avec Hunter, mais bon, qui sortira probablement en deux épisodes, parce que les Summon vont faire probablement deux heures chacune. Euh, et euh, en fait, une double Summon d'environ 5000 vélins. Neosys et Hunter étaient venus il euh, y a de ça déjà quelques temps, mais je dirais quand même. Euh un an à peu près, hein, il me semble, et de toute façon ils vont confirmer dans le chat, un an pour, euh, bah pour, euh, pour se faire invoquer la gueule. Et euh, je les avais régalés au global, me dit-on. Euh, et du coup, sans, mais sans 5 natalendés, et du coup ils reviennent à la charge cette année euh, pour, euh, bah pour la deuxième salve. Bah, là, on est en plein dans les périodes de fou euh, avec la collapse de Witcher, etc. Les Siris, les machins qui tombent dans tous les sens, les Geralt. On va essayer de les goinfrax à c'est de les régaler. Euh, c'est vrai que ça fait un petit moment qu'on essaie de caler la subonne. Oh vous, ils me connaissent, ils me connaissent, ils savent que sur Twitter je vois le message et puis je me dis ah oh, putain, faut que je réponde, faut que je réponde. <laughs> Faut que je réponde. Euh... Et puis, trois jours après, il m'envoie June. Je <laughs> n'ai pas répondu. Donc, voilà, ça fait un petit moment qu'on essaie de se caler la Simone quand même. Euh... Je pense qu'elle était prévue, je crois, pour début janvier. Et puis, euh... puis bon, on se, la fait... on se la fait maintenant. Mais de toute façon, c'est l'occasion. Pourquoi c'est l'occasion Eh bien, c'est l'occasion parce que regardez. Et là, vous n'allez pas en, voir, en croire vos yeux ni vos oreilles. Mais comme d'habitude, nous sommes partenaires Ad Galerie et, euh, et ben en ce moment là, il euh, y a la promotion de, de Zinzolin avec les 58 Pourquoi bah Parce qu'on a les coupons deux d'habitude. Enfin, maintenant c'est devenu une habitude. Là, ça fait trois mois que qui sont en place cela. Euh, Ou si vous dépensez voilà 54 balles, bam, vous avez 8 euros qui reviennent. En plus de ça, il y a cette offre-là qu'ils ont mis pendant longtemps, euh, depuis le jour de la collab, parce que ça, normalement, c'est que les week-ends. Et là, depuis le 31 janvier jusqu'au 4 février, donc demain, euh, vous avez les 5% de, de, de cashback euh, qui, qui reviennent. Et ensuite, ce sera que les week-ends, du coup, donc 10, 11, 17, 18 et 24, 25, où euh, bah, chaque euro dépensé vous rapporte 5% cashback. Et en plus de ça, euh, en fonction de ce que vous avez dépensé, vous gagnez des diamants. Et les diamants, c'est pareil, vous pouvez les récupérer en coupon pour acheter euh, plus euh, de, de, de packs, en fait, tout simplement. Donc c'est aussi, euh, aussi simple que ça. L'offre euh, dure jusqu'à fin février. Pour l'instant, je ne crois pas qu'ils aient prévu de la renouveler. C'est la grosse offre qu'on a à peu près hein, depuis décembre, sauf que là, ils rajoutent les 4 jours. Qu'on a eu pour euh, à la place du week-end vu qu'il y a eu la collab, donc évidemment euh, profitez-en si jamais vous vouliez acheter des packs, euh, ce serait dommage de pas euh, bah, de pas en profiter tout simplement. Je viens de niquer ma scène complètement, donc ça ça fait plaisir. On va essayer de la remettre hop un peu correctement. Ah yes, je vais pas pouvoir, c'est une blague, c'est une super blague. Et donc alors attendez parce que ça fait plaisir. Hop, voilà, là c'est bon. Euh, donc comme on l'a dit <laughs> compte de néosis, on va regarder quand même un petit peu ce qu'il y a avant. Il a eu le Gare de Rive et c'est normal, il est donné celui-là. Jumelin Prom et Teixar. Oh là là, Teixar avec 3000 d'attaque quand même. Hein. Ça, on ne le regarde pas, mais on a 3000 d'attaque. Euh, et on va, on, va, on va quand même regarder rapidement ce qu'il y a dans la collection parce que euh, c'est des mecs qui jouent, qui, qui se défoncent pas mal au jeu quand même. On a, euh, on a quand même au niveau des Nats 5 du récent... Même s'il y a une très grosse sumone, bon, du récent, on va dire que Zibala compte dans les récents, mais est-ce qu'il devrait vraiment compter Parce que c'est vrai qu'il y en a eu des nouveaux 5 notes depuis Zibala. Mais, euh, mais voilà, on voit à peu près où le compte s'est arrêté d'invoquer. Euh, ça doit être Zibala et compagnie, hein, parce qu'il n'y a pas de... Ah J'ai menti. Ah bah oui, mais ça c'était peut-être donné, ça. Ah, ils ont quand même eu euh, la Cassandra. Ok. Ok, ok. Mais je pense que ça doit être sur des trucs, sur des... Sur des moments où il fallait invoquer pour, euh, pour les événements. Parce que regardez, on, on voit vraiment, euh, je trouve, euh, c'est assez net. Tic, la scission entre euh, la dernière Summon et maintenant. Euh, parce qu'il n'y a pas les mobs, toutes les familles les plus récentes. Quoi. Je viens de drop une petite série Dark qui régale. Putain, bah GG. Bienvenue à tous, évidemment, ceux qui arrivent. Ouais, on est à, à peu près, on s'est arrêté à la dernière collab. quoi. À la collab Assassin's Creed. C'est à, à peu près ça en termes d'invocation. 6 mois qu'on n'a pas invoqué. Ah oui, voilà, c'est depuis, et en vrai, et si Menorzoir, les gens commencent à dire que c'est un problème, euh, ils sortent des familles en perma. Bah oui, parce que les familles, ça fait invoquer. Donc, euh, donc voilà, donc ouais, à partir de là, euh, tout ce qui est Indra et au-dessus, euh, le compte ne connaît pas. Ça, mais ça paraît logique. Bon, à part Geralt, mais on l'a dit, euh, c'est normal, il y est donné. Donc, euh, bah, on va essayer de donner le max euh, pour Néosis. Donc, on va, regarder, on va regarder plus en détail un petit peu ce qu'il a. Mais il y a un vélin légendaire des 9 ans. Encore 137 vélins spéciaux des 9 ans. Euh, 3 vélins SWC, 2 vélins de transcendance et un troisième ici. 10 légendaires tout attribut. Wow. Euh, 68 plus 27, ça nous fait euh, du 95 euh, vélins légendaires. Là, on est quasiment à. Euh, là, on est à 98. Oh la vache. Attends, non, je dis une connerie. Une connerie. Euh, ah oui, non. Oh là, il n'y en a pas. Enfin, il n'y en a pas tant que ça. Euh, Calmons-nous. Mais, euh, mais je pensais qu'il y en avait plus d'une centaine. Mais non. Mais non, mais non. Attends, j'ai dit quoi J'ai dit June et les maths. Oui, mais je suis giga con. Je suis giga con. 27 plus 6. Je ne sais pas pourquoi j'en ai compté 68. Euh, mais oui, 27 plus 6. Ça bah, nous fait du coup euh, bah, 33. 33 ici, oui, oui, je me suis complètement emballé. Je sais pas pourquoi, j'ai pas réussi à faire ma, ma division correctement. Et ici, euh, du coup, il y en a 18 plus 46, qui nous fait euh, 56, euh, 64. Mais ça reste bien, parce qu'en en fait, avec tous les vélins, bon, on verra ce qu'il me dit s'il veut de la bénédiction. Mais avec tous les vélins, à mon avis, on va on va en avoir quelques-uns, puisque voilà, il y a quand même 2008 vélins mystiques. Quelques vélins gravés, je sais pas s'il si voudra les faire. Bon, il y a du nouveau dedans. Attends, il a même pas zéro ça. Oui, non, attends, je retire tout ce que j'ai dit. <laughs> Euh, je dire tout ce que j'ai dit évidemment Et euh, bah, je pense qu'on va partir hein. Je pense qu'on va partir Alors est-ce qu'il y avait une wishlist Parce qu'on s'est envoyé quand même pas mal de messages avec euh, avec les gars Est-ce qu'il y avait une wishlist euh, Oui il y a une wishlist putain Alors je te jumpé le Maxildan ah, Attendez je suis obligé de vous la montrer parce qu'elle est exceptionnelle euh, Attends je te jumpé le Maxildan C'est pas de la dernière summon ça Yojun Non c'est bon c'est bon, 19 janvier, hop, c'est bien ça. Il faut que je vous l'affiche parce que euh, c'est trop. Donc, euh, euh, si je chope Fermion, mais Fermion, frère Fermion, Oberon ou euh, les deux, les deux démons euh, bah Il me jumpe le Maxildan. 4 Dark and Light qu'il aimerait bien. Le vie, le... <laughs> ah, ouais. ah ouais, non, c'est minable, mais... <laughs> enfin lui c'était à choix c'est ça que je veux dire euh, on a quand même euh, Iris on a Molly on a euh, le Ravity euh, le Light euh, Deva on a Amarna Léa Kinky Tableau euh, Martina que je n'ai évidemment pas depuis longtemps le robot etc etc en 5 étoiles qui lui fait plaisir il y a quand même Oliver euh, Shizuka Mustave hein, en vrai Mustave Manon moins mais bon ok euh, bien sûr, bien sûr, pourquoi pas. Ricard, en vrai, pour moi, oui. Et j'ai déjà tout ça, il a déjà. Ah ouais, oh la vache, là aussi, pue un peu sa mère parce qu'il a quand même. Il y a plein de mobs qu'il a pas. Mais enfin, <laughs> je, je suis pas en train de diminuer son travail. Je dis juste que par exemple, faire une case avec les j'ai déjà, on s'en branle. J'aurais préféré une case supplémentaire en mode très content moi, Moins content je m'en fous un peu tu vois là il y a du j'ai déjà mais c'est cool il nous l'aurait dit dans le chat donc euh, donc on s'en branle mais bon abattre l'ennemi c'est euh, c'est le but d'aujourd'hui non alors on va se remettre en mode euh, en mode comme ça pour pas que ça gêne derrière évidemment on va faire ça tac euh, les j'ai déjà c'est pour m'en souvenir ah c'est pour toi d'accord c'est pour toi Eh bien on est parti on est parti sans plus attendre parce que sinon on va oh, moi je me dis que j'ai soif je boirai un petit coup tout à l'heure. J'ai déjà bu un petit. Mais en fait, le chocolat chaud, ça donne soif parce que c'est sucré. Euh, on est parti. Il y a quand même environ 2500 vélins, on va dire, sur la Summon. Donc, on peut espérer. Si on si ne se trompe pas de fou dans les légendaires et dans les Light and Dark, il est 9h pour tout le monde. Eh hein. euh, bien, on peut espérer en vrai avoir, je pense, une quinzaine de 5 nattes. Une quinzaine de 5 nat, ouais, ça me paraît pas trop déconnant. Donc, euh, après, il y, y a quand même deux transcendances, je me sci-fise un peu, tu vois. Sur la quantité de vélins, normalement, on devrait quand même avoir des petits trucs, ouais, ça m'étonnerait qu'on n'ait rien sur 2000 vélins. Euh, maintenant, il faut essayer de, de viser juste, viser droit, évidemment. Comme quand on pisse le matin. C'est euh, évidemment l'objectif. Pour l'instant, on est très très heureux puisque je crois qu'on a eu la maudite, la coquette somme d'une étincelle. Alors, je t'ai pas demandé, mais j'imagine qu'on va cocher la case spéciale à vocation de fou avec un petit guerrier du désert. Voilà, ce sera pour le skill up si jamais on chope du Zinzolin. Euh, oui, elle est bien, elle est bien cochée. Non, j'hésitais vu que, vu qu'évidemment, on n'a eu aucune étincelle de, de ce truc-là. Ah, bah il fallait en parler. Et derrière, on a un petit 4 étoiles. J'adore l'animation, elle est vraiment stylée. Et c'est sirifeu Cyril il faut ego. Euh, on l'aime on l'aime pas mais euh, mais en tout cas dans tous les cas il faut en choper parce que je vous rappelle encore une fois let's go euh, euh, cette fois-ci la triste feu mais euh, mais dans tous les cas il en faut des mobs comme ça puisque on rappelle les familles de 4 et de 5 étoiles ça arrange tout le monde hein, puisque les 4 étoiles vont pouvoir servir en skill up de 5 étoiles ça, évite ça permet d'économiser des devilements euh, c'est euh, c'est absolument absolument magique donc on en veut. En vrai, ces familles-là, au début, tu es en mode ouais, mais les leaders skills, ils sont jamais exactement comme des 5 étoiles et tout, ce qui est vrai. Mais d'un autre côté, euh, bah, les skill-ups, ça change quand même tout. Hein. Quand tu chopes une woyong ou une, ou une yonong et tu sais que tu pas besoin de la Devilemont, euh, ça claque quand même. Bon, en général, si tu es un petit peu gourmand, tu le fais quand même. Tu en mets 3-4, tu mets tout ce que tu as, puis ensuite tu Devilemont le reste. Si c'est du light and dark, tu vas... En général, tu vas pas pouvoir attendre, mais bon. Euh, pour tout ce qui est élémentaire, en vrai tu peux te permettre. Euh, Joker du coup, citrouille d'Halloween, ok. On a déjà fait quand même euh, pas mal de petits vélins. Mais de façon, si on veut pas que la Summon, elle dure jusqu'à euh, 21h et que les autres, ils aillent se coucher, je vais quand même être obligé d'un peu accélérer. Euh, ça veut pas dire qu'on va faire tout comme un j'aime pas non plus que ce soit que ce soit rushé quoi parce que c'est parce que, bah, un moment dont il faut profiter mais, euh... mais on peut pas se permettre de s'arrêter sur chaque haut <laughs> non plus <laughs> euh, ça dit quoi les mobs de The Witcher il y en a des bons, franchement ouais il euh... y en a des très très bons alors il y a des il y, des... y a des mobs light and dark qui font rêver un peu tout le monde notamment au niveau des syries etc euh... honnêtement moi j'ai bah, j'ai que le Geralt comme toi pour le moment j'ai invoqué un petit peu mais j'ai rien eu de j'ai rien eu euh... j'ai eu un doublon molon tiens il n'y a pas il y, a... y a pas de ça un jour hier mais euh... mais franchement il y a des mobs en fait où je vais attendre quand même de voir les dégâts qu'ils causent mais globalement les kits semblent vraiment intéressants euh... sur certaines sur certaines familles d'ailleurs j'ai sorti une vidéo euh, ça y est elle est sortie depuis hier oh, oh dommage euh, la petite INFR pour l'instant on tape dans toutes les dans toutes les familles c'est cool j'ai sorti une vidéo hier pour, euh, pour parler de deux premières familles j'en sortirai une autre pour parler des deux autres familles je vous encourage à aller voir il y a vraiment du, du lourd parmi les compétences franchement c'est c'est vraiment si les coefs sont nuls j'ai test genre vraiment mauvais ouais mais t'as pas pu tester sur, sur absolument toutes les familles quoi et puis en fait, c'est pas très grave que les coefficients de dégâts soient, soient faibles. Parce que je pense que pour comme toi, c'est beaucoup plus facile d'équilibrer un personnage en augmentant légèrement ses dégâts. Oh, let's go! Euh, que, euh, que de changer un kit. Et en vrai, les kits sont vraiment sympas pour certains. Salut, tonton! Euh, bah le Geralt O oh, on l'a tous, ouais. Siri fait, tu vois, c'est pas représentatif à de, de tout, de tout ce qui, parce qu'il paraît que que il y a, alors je sais plus si c'est Siri Dark ou Siri Light, enfin genre le mob il est, il est insane quoi. Euh, mon cher Neosis, le premier 5 de tombe je pense qu'on est à peu près dans les stats. Euh, est-ce que tu préfères Eladriel ou est-ce que tu. Comment elle s'appelle euh... déjà J'oublie Claire Non, Sonia. Euh, ou est-ce que tu préfères la petite Sonia Alors, Sonia, on rappelle, vitesse de base de 119 <laughs> qui t'arrache le cul depuis son up. Euh... Voilà, si, euh... si la défense de l'ennemi est faire à Wégal à 60% de ta puissance d'attaque, elle sera ignorée. Donc, c'est assez facile d'aller chercher cette Swift euh... qui va ignorer Def, qui va one-shot. Donc, euh... voilà. Euh, Fermion, c'est 7% de Sonia Go. Ah ouais, Sonia, ça me paraît quand même plus évident. Excellent mob pour la RTA, évidemment, Sonia. Et GG, c'est ton premier. Euh, et il est new, donc on en profite, ça fait plaisir. Déjà, ça rentre dans le, dans le truc. Ouais, j'allais dire, on est dans les stats, on est un petit peu en dessous des stats, mais bon, c'est le matin, c'est le temps de chauffer le, le Simonet, je sais quoi. J'ai Siri Dark et je confirme, c'est vraiment une scène avec en plus un lead 28 en guild. Voilà, Maelstrom qui est là. Et en vrai, je trouve, je ne sais pas ce que tu en penses, Mael, mais euh, Maelstrom d'ailleurs, non pas Maelstrom, mais euh, je trouve qu'il y, y a eu beaucoup de Light and Dark qui sont tombés là récemment, en tout cas dans la commu, en termes de nouveaux mobs. Euh, Siri Dark, tu t'es pas le seul à, à l'avoir eu, quoi. Et, euh, et franchement, il y en a même un petit paquet, je trouve, qui, qui, qui en ont eu, des mobs Light and Dark 5 étoiles. Et je trouve ça ouf, quoi. Si Je me demande si ça n'a pas été augmenté un petit peu. Mais, euh, tu sais, normalement, quand t'as un 5-9 Light and Dark, surtout dans les nouveaux, c'est vraiment rare, quoi. Tu es, es un peu l'élu le... de la commune en mode ⁇ Oh putain, il y en a un chez nous qu'on a eu un ⁇ Et en fait, j'ai trouvé que là, récemment, sur ces... en tout cas sur ce dernier arrivage, qu'il y avait eu pas mal de mecs qui avaient été hypés par des nouveaux 5 étoiles Light and Dark. Est-ce que ça veut dire que les taux sont augmentés Je pense pas, parce que réglementairement parlant, comme tous nous aurait informé, enfin c'est obligatoire, quoi. Euh, mais euh, ça doit juste être la chatte, mais, euh, mais ouais ah Quatre étoiles la série Dark allons vérifier l'information mais si c'est ça c'est peut-être normal du coup euh... oui d'accord alors moi je parle alors je, je pense que je parle de la série Light du coup qui est euh, là la série Light euh, affiche une attaque supplémentaire dans les dégâts augmente en proportion de la faiblesse des PV de la cible et t'as une de 20 unités à chaque fois jusqu'à un maximum de 200 alors Siri Dark effectivement est tombé euh, pas mal mais c'est parce que c'est une 4 étoiles. Moi je parlais vraiment des mobs 5 étoiles. Euh, rien que chez nous il y a Juaz, enfin il y, y a vraiment un paquet de personnes euh, qui, qui a eu du 5 étoiles là, sur la dernière collab. Je crois que VK en a eu un sur son deuxième compte. Enfin euh, c'est pas des trucs qui arrivent normalement, tu sais tu. T'en as pas autant et moi j'avais vraiment l'impression qu'il y en avait eu beaucoup là tout récemment. Euh... Ah, y a... ouais, j'avoue que aussi, peut-être que The Witcher euh, ça enchante plus que, euh, que Assassin's Creed et encore que. Bon, ce qui est sûr, c'est que ça enchante plus que les cookies. Encore une fois, j'adore leur mettre des tacles, mais Cookie Run Kingdom, c'était la collab la plus claquée que j'ai jamais vu dans un jeu vidéo. Je suis désolé de le dire, mais je n'ai jamais vu une collab aussi à chier. Euh... Salut Toons, t'as rien ça le jeu. Est-ce qu'on fait des tutos Putain, j'avoue, ça fait. Ça fait 150 ans qu'on qu fait plus de tuto parce que ça fait 8 ans qu'on joue au jeu Mon Cher Toons. Il euh, n'y a pas grand-chose à comprendre si ce n'est il y a des monstres forts, tu les runes et ils gagnent le jeu quoi. La collab Pokémon, non mais je vous dis ici si un jeu, mais il y aura jamais de collab Pokémon. À part si Pokémon se met à collab, encore une série À part si Pokémon se met à collab euh, à cause de du P Word. J'ai vu que j'ai vu un tweet de jv qui disait euh, que les influenceurs japonais sont invités à ne pas prononcer le PAL WORD pal -word, euh, WORD sous peine, de, sous peine de, de prison à perpétuité. Ah non, attendez, je vais vous retrouver le tweet exact. Alors vous savez qu'en Sumon, on aime bien aussi euh, discuter. Attendez, attendez, Hop. Alors, Nini, Nani, na, ni. Attendez, il faut que je retrouve. Jim Carrey sera de retour en Robotnik dans Sonic 3, super. Sonic 3 a été annoncé. Euh... Voilà. Les célé Des célébrités japonaises euh, auraient eu interdiction de parler de Palworld pour ne pas se mettre The Pokémon Company à dos. Euh, C'est le site de Tokyo Sports qui a dévoilé la rumeur via une source anonyme d'agence artistique. Nous avons dit à nos talents de ne pas mentionner Palworld sur les réseaux sociaux ou en public. Donc, euh, donc bon, on en est là. Euh, la, la... Putain, mais les Pokémon, je, je comprends pas comment ils tremblent comme ça alors que bah, ils devraient avoir les genoux. Enfin, c'est Pokémon de compagnie, tu vois. C'est normalement il n'y a rien qui les touche. Ils s'en battent les couilles. Mais euh, mais ouais, tu me diras, peut-être que ça les a assez froissés pour qu'ils disent attends, on va peut-être collaborer avec Summoners War. Mais je pense pas, je pense pas, je pense pas. Je pense que Summoners War, c'est c'est euh, un zooplancton à côté de, de la taille de, de Pokémon qui doit comparativement à l'univers donc ouais <coughs> pour continuer à avoir des partenariats avec Nintendo mais Nintendo est pas connu pour faire des partenariats oui c'est vrai c'est vrai qu'ils n'en font pas non plus des masses après ils en font peut-être pas des masses en France mais peut-être qu'au Japon effectivement il y a des influences mais en vrai ils en ont vraiment pas besoin par contre on rigole on rigole mais on a quasiment les 500 vélins, euh, vélins posés là Collab alors pas World Cool c'est sûr. En vrai, je sais pas si on se rend compte du, je sais pas à combien de copies vendues ils sont là pas World mais plus, il y a il y, y l'espèce de stress and effect de Pokémon de putain faut surtout pas parler pas le et du coup tout le monde se dit mais putain attends ceux qui ceux qui dormaient dans une grotte euh, devait être en mode de moto c'est quoi palworld, World et tout pourquoi personne ne doit en parler et euh, du coup ça ça avance 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 mais mais pour de vrai, je ne sais pas s'ils ont plus de projets que ça ou s'ils sont en mode bon, bah c'est bon, on est millionnaire maintenant, largement. Je pense qu'on peut s'arrêter de travailler pour, pour la fin de notre vie. Mais, euh, mais ouais, c'est. Ou alors peut-être qu'ils sont en mode ok, on a, on a de l'or entre les doigts et on va faire, on va faire plein de, plein de mises à jour, plein de contenu, etc. Et on va régaler les viewers, quoi. Enfin, les, les joueurs. Je n'ai pas testé Palworld, World, alors j'ai. J'ai regardé quelques lives. Honnêtement, ça me chauffe un peu, mais bon, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. J'ai vraiment pas le temps. Mais ouais, Yves collab... Mais attendez, moi le premier, si une collab Pokémon avec genre, imaginez, t'as cinq familles avec cinq Pokémon là. Mais en vrai, ce serait même impossible. Parce que, y... enfin, il n'y a pas tous les éléments de Pokémon loin de là. T'as pas de spectre, de foudre, de machin. Et en plus de ça, un Pikachu feu, ça n'a aucun sens. Ça n'a vraiment aucun sens. Ou un de feu, quoi. Tu seras en mode, oui, bon, bah, c'est cool, mais puis sa mère. Après, il pourrait en sortir un d'éléments, oh, tu vois, un par élément, mais c'est pareil, c'est pas vraiment sur mon War, du coup. Mais en fait, on, on dit ça, mais ça n'arrivera jamais. Vraiment, Pokémon, c'est impossible. Il y a une effet Pokémon, je vous le dis, c'est. Si, si, vous, si vous attendez d'arrêter le jeu jusqu'à ce qu'il y ait. Enfin, euh, si la collab Pokémon serait. Euh, votre euh, fait d'armes pour arrêter le jeu, vous n'arrêterez jamais, je vous le dis tout de suite. Hein. Ouais, Collapse Sonic. Ouais, Pff, Sonic, Sonic, ouais, pourquoi pas en vrai, un petit Sonic, un petit Robotnik, un petit... Euh, comment il s'appelle On est un rien que là. Je <laughs> ne sais plus comment il s'appelle l'autre, mais... Ouais, why not, why not, why not. Mais en tout cas, The Witcher, ça enchante ça pas mal de gens, parce qu'effectivement, il y a peut-être eu pas mal de cash, euh, de cash flow. Par contre... Ah, merci, parce que là, je commençais vraiment à m'inquiéter. Ah, double doublon. Alors, ouais, Knuckles. Euh, par contre, je t'aime bien, mais 1 NAT5 en 500 V1. Ouais, bah, <laughs> tu vois, tu vois, tu. Tu vois, t'es content là ou pas Alors, par contre, on ne s'est pas posé la question. Est-ce que ça part en bénédiction ou est-ce que ça part en autre chose Sachant que t'as pas énormément de 5 NAT, mais en as quand même. Je pense que la bénédiction est plus worse. Mais ça veut dire aussi moins de chances d'avoir un 5 NAT LD. C'est. Voilà, c'est toi qui choisis. D.N.L. Da, dark Knight, je grid. Ok, ok, tu sais quoi? Euh, c'est toi, toi le chef. Mais je pense qu'on va te régaler. Attends, tu sais quoi? Je, je vais le garder sous la main celui-là. Puisque de toute façon on n'en fait pas de une bénédiction. Boum! Ok, j'aurais kiffé là un petit petit 9 de la. J'ai pas fait 7 heures d'arabe pour une bénédiction. <laughs> ah, mais franchement, je vous imagine tous les deux dans votre chambre de puant, si je puis me permettre. Euh... <laughs> les yeux éclatés devant la simone en mode putain, c'est bon. Hop là et on continue allez on a fait quand même quasiment 600 vélins il nous manque un 5 nat là au compteur j'aimerais bien que ça se... ça se ça y aille quoi mais moi je vais aller me chercher à boire je pense parce que j'ai vraiment fou. Euh... ouais là ça y est on a fait des 600 vélins rien d'alarmant mais, mais c'est vrai que si on pouvait avoir voilà par exemple un 5 nat là direct ou deux même dans la même truc ce serait stylé Ok, la petite forgeronne. Il voulait la dark, hein. on rappelle. Voilà bon, son, petit... son petit. Son petit. Elle fait son petit effet. <laughs> <laughs> Valentin voilà, qui appuie là où ça fait mal. Euh, ouais. Ok, le roi barbare. Le rius barbarus. Derrière, le maître des poisons. Le Mid Torch à Martial Sorcière Mystique, ok. Inferno Lutin Champion, ok. Onimusha, Vent, pourquoi pas. Allez, il y a pas mal d'étincelles là, c'est peut-être le moment de sortir un. Allez, une bestiole. Allez, le Muno, le nombre d'étincelles là. Je, normalement, ça tombe dans les 0,5%, ça. Ça devrait tomber, ça devrait tomber. J'y crois, hop. Euh, je vais faire un truc moi. Oui. Ah Peut-être. Ta mère. C'est euh, la syrie feu. On commence à en avoir un petit peu euh, des syries là. Allez encore. Oh non, il m'a dégoûté, lui. Il m'a dégoûté. Je m'attendais. Je m'attendais à un truc si Ah oui. C'est vrai qu'il y a ça. Qu'il faut que j'allume. Ok. Oh le taurus. Le taurus. Euh parler de pokémon. Euh, tac, tac. Putain, il y a pas mal d'étincelles là. Hein. Scogul, la de mer. Euh, tac, tac. Parfait. Et voilà. Hop, et hop. Euh, Je vais chercher à boire. J'arrive. 5 kv1 ah ouais déterminé. Euh, et yo, comment, la, comment le June Par contre, le seul ennemi qui a, c'est League of Legends. Pourquoi ah, bah, ah, abattre l'ennemi euh, sur League of Legends. Ouais, non. Ah, les, mecs, les mecs se sont donnés euh, toute la nuit sur le... Sur, en Aram. Mais par contre, putain, pourquoi en Aram ah, J'imagine, vous n'aviez pas envie de ranks <laughs> Parce que 7 heures à faire de l'Aram, putain, mais votre cerveau, il doit être gelé là. Là, je pense que, sans, sans vouloir vous offenser, <laughs> je pense vraiment qu'il y a une odeur. Hein. Je, je le redis, mais j'en suis persuadé. Parce que de la RAM, quoi, c'est même pas de la normal game ou du, du 3v3. Enfin, 3v3, du... je sais plus comment il s'appelle le, le mode 2v2, là. 2v2, 2v2, 2v2. Mais la RAM, quoi, ça brûle le cerveau. J'ai jamais fait de ranked. Ah oui, d'accord. Ah oui, bon, bah, t'es fan cassé, toi, non <laughs> Non, je demande, je, je demande. Enfin, euh, voilà. Juste bah, par curiosité. Euh, Salut d'acteur. Yo. <laughs> Allez, c'est Allez. Putain, yo. Ok, chevalier Choco. Dommage. On a perdu cette dynamique étincelante et on arrive tout proche des 1200 vélins, ce qui va nous faire 800 vélins. On va pas compter le nombre de 5 nattes parce que... Euh, fou, il y en a beaucoup. Il <laughs> y en a beaucoup. Il <laughs> y en a trop, hein. Et salut la virle, hop là, hop là. Tiens, vous êtes là en tout temps vous, hein. Les la le primo, Valentin Mout, le soir, le matin, le dîner, le. Et les gars, oh, viver. Hein. Euh, hop. Oh bah super. Petit samouraï. Allez. Oh lolo lolo. Bon, il en reste plein de vélins, mais quand même. D'ailleurs, il n'y a pas le. Il y a, a l'événement de un vélin acheté. Enfin, un petit vélin ouvert, un vélin offert. Je ne me rappelle plus de celui-là. S'ils l'ont mis. Attendez, je vais regarder. Euh, alors. alors. Comme disent les Italiens. Euh, oui, c'est là-dedans. C'est là-dedans. Pam, bam, bam. Événement d'aider. Ah, non. Bon, d'un côté, c'est chiant. D'un autre. L'événement, il est bien, mais il est aussi chiant. Tu sais, quand on invoque 10. Enfin, en fait, c'est la fin. T'en invoques 2000. Assidier. Ah, ah. Regarde mieux. Événement de vilain mystique bonus. On le fera évidemment à la fin. Améliorant des perso de collab. Nani nana. Recevoir 80. 000... Ouais, en fait, c'est ça. C'est à la fin. T'en as 200. Mais en fait, c'est pas ça, c'est vraiment... Oh, je vais remettre euh, tout stockage. C'est vraiment à la... Quand t'es à la fin du truc, bah là, justement, on va en faire 2000, ça t'en fait 200. Donc là, t'es content. Mais après, sur les 200, ça t'en fait 20. Puis en plus, t'en fait t t 2, c'est hyper chiant de retourner dans le truc. Quoi. Il devrait les donner euh, de manière automatique. Mais bon, c'est moi qui chipote, c'est moi qui chipote. Attends. Hop, culotte, c'est moi qui chipote. Euh... Mon fond vert a un décalage. Ah oui, c'est vrai ça. C'est vrai, c'est vrai que c'est possible. En fait, c'est pas le fond vert, c'est que la cam elle bouge au fur et à mesure du temps et du coup bah hop, merde. Bah merde. Voilà. Je voulais te faire des trucs comme ça pour que ça pour que ça soit mieux. Euh, oh putain, on a chopé le marionnettiste. Mais dites-le-moi aussi. C'est un truc de fou ça. <laughs> Yo, I love Simon Says. Yo, Vaganoub. Euh, marionnettiste. Marionnettiste, est-ce que tu l'avais celui-là Parce que autant Zibalette, bon, c'est de la galinette cendrée, autant ça... Euh... Bon... Il est sympa, hein Tous les ennemis pour supprimer tous leurs effets bénéfiques, poser sur un effet de silence pendant un tour, les empêcher de supprimer leurs effets néfastes pendant deux tours, et ensuite ils posent la bombe. C'est sympa, parce que ça c'est le stun plus bon, mais bon... Je crois pas. Ah ça y est, ça commence. Attends, tu m'avais pas dit que tu avais fait une wishlist, toi Enfin, euh, une liste de ce que tu avais déjà. Ok, je te confirme, il est pas dans la liste de ce que tu as déjà. Si ta liste est à jour, tu ne l'avais point. Let's go. Ça va en fait un troisième. J'avais pas, j'avais pas. Ok, nickel, nickel. En vrai, du coup, plutôt content. J'ai eu très très peur. Je sais pas pourquoi, j'ai eu très très peur que ce soit la qu'on t'a eu tout à l'heure, la sirène là. La la. Bah c'est pas clair. Du coup, c'est l'autre. Oh, imagine. Ah, dommage. Dommage, dommage. C'est triste. Oh Pour l'instant, au niveau des 5 Nats de collab je n'en ai pas invoqué, je crois, un seul, hein, il me semble. Donc, en 5 Nats. Pas sur cette semaine, je parle overall. Donc, euh, j'avoue, j'aimerais bien pour la postérité. Yojo de la Forme. Salut, Chouk, ça va et toi Bon, on est à 2 5 Nats. Enfin, trois en tout, de nouveau C'est grave OK. Parce qu'en tout cas, la qualité des nouveaux, c'est de la bonne qualité. C'est la bonne cam, pour le coup. Allez. Hop, petite citrouillette. citrouille de citrouille d'Halloween. Je vais dire qui fait plaisir mais bon, après réflexion, non, c'est vraiment pas le genre de merde qui fait plaisir. Allez. Oh, OK. Le Joker. Zip. Le Jean. Hop là, et on continue. J'ai drop un petit Jaeger hier, donc cool euh, qu'il a. Je ne sais pas trop si je dois être heureux ou pas. Euh, bah, franchement... Oh, petite Juno. Ah, Juno, elle était pas dans les... Elle n'était pas dans la Wishlist, Juno. Euh, Nine, elle n'y était pas. Est-ce qu'elle était dans les nouveaux Ah, elle est dans les G déjà. <laughs> je me disais bien que je l'avais vu. Euh, bah, ça fait, ça fait 4 en vrai. Ça fait 4. Ça fait 4. Ça fait quasiment les stats. Euh, pour le coup, ça va. Ça va, attends. Après, tu me dis, hein, si à un moment il y a trop de doublons, tu dis Attends, ça fait peut-être un peu trop de light and dark. Euh, je veux refaire du, du truc. C'est pour ça que je te les bouffe pas tout de suite. Salut euh, Lulu. Ça va ou quoi La team, le quoi ENT, c'est toujours euh, c'est toujours un plaisir, évidemment. Il me fait toujours aussi mal après, après des années de mime Allez, encore un Bam Pour être... Franchement, pour être mieux, pour être au-dessus. Parce que être, dans, être à peine dans les stats, euh, ça ne m'intéresse pas. pas. Vous mentir, je veux être, être au-dessus. Je, je veux être le pouce, quoi. Je veux qu'il repart de ça et qu'il disent, putain, j'avais un compte, il était... Il était déjà bien, mais maintenant il est incroyable. Oh, chevalier Choco Qu'est-ce qui fait plaisir celui-là C'est faux. Le garou, chasseur de bêtes la fée, l'homme lézard, le lézardinio, comment on... Comme on dit Allez, dommage, encore une, une trice haut. Tu continues de jouer à ce moment-là Non. <laughs> non, pas du tout. Là, là je le fais pour l'argent, attends. <laughs> On continue. Ouais, ouais, bien sûr. Euh, D'ailleurs, il est, il est 9h, là, je vais faire mon reset de journée parce que chez nous, c'est à cette heure-ci. Je, je vais me brancher aussi de mon côté. Euh, tac tac tac. Bon moi j'ai déjà plus rien invoqué. Je me suis pas fait grand régalax. Mais bon, l'a fait le Minotaur, l'homme lézard, l'homme lézard, Inugamix et derrière pff, la petite Pierre et Vent. Ouais, elle est mignonne mais bonne. Non mais sur ton compte. Bah oui oui euh... oui oui. Alors je l'ai dit euh, j'ai il y a 2-3 jours. Ça faisait avant la collab là ça faisait quand même une petite dizaine de jours que j'avais pas lancé mon jeu. Mais c'est pas... Putain J'aurais bien aimé en avoir un, là On en a marre de elle euh, Parce que... Euh, bon, parce que pas trop le temps et tout ça... Euh, les petites vacances et tout... Mais, euh, mais ouais, ouais Jusque-là... Ouais, Jusque-là, euh... jusque je joue au jeu quand même, hein bon, ouais, C'est moins, moins efficace qu'avant, mais, euh, mais on s'en fout un peu Commandère d'acier, vent <laughs> Il y a plein de raisons que, 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 que vous comprendrez... Que vous ne comprendriez pas parce que vous n'avez pas de contexte euh, qui font que bah, des fois il y a des hauts, des fois il y a des bas dans le jeu et que, que ouais, disons que quand il y a des bas, ça n'aide pas forcément, mais euh, mais c'est pas grave. J'en prends la place euh, dans notre vie, c'est ça. Ah, bah, genre, bah, franchement, le, le RP prend beaucoup de place, mais il y a pas que le RP. Hein. Là, je dois, je, si vous voulez savoir ma vie, je dois apprendre. Euh, des trucs pour le théâtre. Il euh, y a Friendzone qui maintenant prend pas mal de temps. J'ai d'autres projets sur le côté. Euh, bah, J'ai aussi euh, une vie sociale. Donc, euh, donc voilà. Et ça fait que bah ouais, tu peux pas rester, euh, tu peux pas rester cloué sur le, sur le téléphone à jouer au jeu en perma. Mm -mm -mm. La thèse aussi que tu vis du stream et Summoner's War rapporte moins que le RP en vue, etc. Mais on t'aime quand même. Alors en vrai, Vaganoub, euh, je suis moins d'accord. J'ai commencé le RP, je faisais euh, 20 ou 30 viewers. Alors certes, maintenant, euh, je suis entre 400 et 600, on va dire, en constant. Et Summoner's War me rapporte moins de vues. La hype de Summoner's War, elle a baissé aussi parce que j'y joue moins en fait. Euh, C'est aussi. Oh. Yes Putain Je crois que l'animation, elle est différente. Quand c'est un 5 nat que quand c'est un 4 nat. Let's go Triste feu. On va regarder tout de suite après ce qu'elle vaut. Euh, je crois que c'est c'est pas trop mal. Mais je veux pas je veux pas m'avancer. Ok, on va regarder vite fait. Let's go. Euh, mais euh, mais en fait euh, par exemple si je compare un chez Zou chez Zou qui a jamais vraiment arrêté il fait de très bonnes stats sur ce en soir donc non je pense pas que ce soit lié à ça. Hein. C'est euh, non c'est plein de facteurs qui font que alors, au de ton critique, attaque tous les ennemis pour initialiser leurs jauge d'attaque et posturer des effets de marque et d'augmentation de tout et de coup glancing. Et ça, c'est le stun. Oui, c'est ce qu'on disait. Euh, moi, je la trouve sympa, mais il faut encore une fois voir les ratios. Mais ça, si ça passe après un chiou, un stripper, en tous les cas, bah, réinitialisation des jauges d'attaque, les effets de marque et les, les coups glancing. Le mec en face, il boude pas mal. Donc euh, c'est donc bien. Ouais, c'est un, une espèce de Chionpong feu. Donc euh, c'est pas mal, sauf que Chionpong stream strip quand même. Chionpong en violent, tu peux faire skill 2 into skill 3 si t'as si de la giga chat. Là, t'auras pas ça, mais t'auras un stun quand même. Euh, stun plus break def, qui est pas dégueulasse pour aller focus un mob. Donc, euh, donc non, c'est plutôt, plutôt très sympa. Je suis content. Et c'est nouveau. On est à 5-5 Nats, donc on est euh, bien dans les stats quand même. Ça y est. On est pas mal et je suis content. Allez, euh, du coup... Bah, eh bah ben non, en fait pas du tout. J'allais dire, je sais que c'est un, je sais que c'est un 4, mais non en fait. Juste derrière, on chope le Geralt feu. Euh, Geralt feu qui va attaquer tous les ennemis trois fois pour infliger à chacun des dégâts continus pendant deux tours et étourdi pendant un tour avec 50% de chance les cibles ayant des dégâts continus. Ouais, donc ça c'est pareil, c'est un, c'est des dégâts plus dot plus stun. Euh, et derrière attaque tous les ennemis 3 fois avec à chaque fois 30% de chance de réduire leur défense, 30% de chance de réduire leur jauge d'attaque. Attendez mais ça on désespère ça doit être un peu zinzin, non Pareil une fois que ça passe derrière un stripper Après lui il a 100 de vitesse de base, c'est ça qui, qui casse couille mais je pense que c'est pas mal. Hein. Même si t'as pas des dégâts colossaux, ça doit être des bestiaux de contrôle de fou. Avec une double AOE en général en contrôle, si les CD sont pas trop grands c'est vraiment pas mal. Alors, pour le 70-30, c'est vrai que ça a changé. Je vais... Franchement, vous savez quoi Je vais regarder en direct. Euh, on va continuer d'invoquer. Je vais regarder en direct. Euh, abonnement. Alors, nom de l'abonnement, avantage des abonnés, badge abonné, émoticône. Ah non, ça doit pas être là-dedans. Ça doit être dans statistiques, peut-être. Euh, non. C'est dans quoi déjà qu'on voit son nombre d'abonnés euh, autre revenu, ah oui, non, ça c'est pour le merch streaming, chaîne modération partenaire, peut-être partenaire. Non, euh, bon, attendez, parce que je sais même plus où on voit son argent, <laughs> c'est dire si c'est consulté. Ça, euh, où est-ce qu'on voit ça déjà? Bon, je le vois mon nombre total de subs, mais c'est pas ça qu'il me faut, hein. revenu, c'est ça. Alors, revenu. Abonnement payé, nani nana. Niveau 1, 595. Bon, ça, c'est normal. Euh, le, le streamer du programme du Partageur Plus reçoit une part des revenus de 70-30 sur les abonnements mensuels récurrents pendant 12 mois. Pour en savoir plus, nani nana. Attends, une part des revenus de... pendant 12 mois. Pour en savoir plus et voir si vous êtes admissible, cliquez sur le Voir Plus. Ok, Voir les détails. Alors, ok, en gros, je suis... à… parce qu'en fait, il ne compte pas les primes, c'est ça qui est chiant. Je suis à... Euh, pendant un moment, j'étais à 271 sur 350. Mais vu que ça a baissé, ça... 271 sur 350 tiers 1. Et ça va passer à 300. Sauf que le mois dernier, en janvier, j'étais à 243 tiers 1. Donc il en faudrait quand même, même si ça descendait à 300, il en faudrait quand même 57 des mecs qui s'abonnent plus avec Prime mais avec le tiers 1 pour pouvoir passer en 70-30 et ce pendant 3 mois d'affilée. Euh, bon bah c'est, ça va être un peu chaud, mais c'est vrai que si je mets des objectifs de en live en mode, euh, en mode euh, venez, euh, enfin si je motive un peu les gens parce qu'en en fait c'est ça, hein, c'est moi je n'aime pas trop le faire mais il y en a qui font beaucoup de la course à au sub euh, au machin euh, ou des appels au sub toutes les cinq secondes après si je mets un objet moi j'ai quand même ma barre d'abonnés au dessus parce que bah c'est oui c'est quand même ce qui me fait ce qui me fait vivre aussi c'est ça doit être au moins 50% de mes revenus les subs mensuels mais euh, mais si euh, ouais si je mets un truc peut-être que ça motivera aussi les gens ouais et ben bah, non les sub gifts ne passent pas et les primes ne passent pas c'est vraiment le, les niveaux 1, 2 et 3 qui comptent comme points et il faut les 350 points pendant 3 mois. Encore un, peut-être Dommage. Dommage, dommage. Donc, ouais. J'arrive, ça drop, je suis dégoûté. Bon, Yazuo, what the fuck <laughs> C'est hyper, hyper méchant. Hop. En plus, jusque-là, ça a pouillé. Là, ça va, là. On est pas mal. Hein. On est pas mal. Et derrière, on a une stris-feu. Euh, Ce qui va être cool pour le skill up. Ah, bah non. <laughs> bah non, du coup. C'est le Geralt Feu qu'on a eu. Et, et la triste, c'est là. C'est une triste qu'on a eu. Merde, je sais même plus déjà. On fait un million de trucs à la fois. Euh, boum, boum, boum. Attends. Je vais aller foutre au stockage les mobs. Hop, hop. Euh, on va garder ça. Merde. On va faire ça. Du coup, j'ai eu lui. Et eh, si, si, c'est bien ça, j'ai eu la triste feu. Voilà, comme ça on sait, on sait exactement où on en est. On est à 6-5 notes pour le moment. Dont... Euh... Dont... Don... Deux. Deux qu'il avait déjà, à savoir Juno et Molong. Ça va, on est sur un ratio qui est que, fait, du coup, coup pas, naturel, pas ouais. dégueulasse. Merci beaucoup Julien, merci beaucoup pour le 1 Merci beaucoup. Juno, comment tu vas, ça va, et toi, petit Jack c'est passé à 300. Ouais, alors moi là, dans mes revenus ici, c'est pas encore actif le truc des 300. C'est pour ça que je vous dis, euh, ça, quand ce sera à 300, il m'en manquera peut-être 50 et quelques. Et peut-être que je ferai une barre euh, spéciale niveau 1, niveau 2, niveau 3 pour essayer effectivement de, de le garder. Parce que j'avoue, 70-30, bah, euh, je pense que mon nombre d'abos moyen, s'il n'y a pas énormément de sub gif dans le mois, c'est euh, entre 500 et 600 avec les prime top. Entre 500 et 700 en vrai. Et euh, du coup, ça fait entre allez, 1000 balles et 1400 balles. Bah, si je passe en 70-30, ça fait entre 1200 et 1006, même, même plus que ça, 1007 quasiment. Donc c'est big en vrai. Ça serait big, ouais. À 20% en plus, hein, dites-vous, si vous aviez une augmentation de salaire entre guillemets de 20% à votre taf, vous seriez content. Bah. Moi, c'est pareil, j'avoue. Donc, euh, donc, ouais, je vais peut-être. Euh, peut viser là-dessus, viser la lune. Ça me fait pas peur. Sur ce genre j'ai la comète de gens et j'ai mis la fa... <laughs> j'ai mis le photo montage. Oh, euh, Belenus, est-ce qu'il est dans les j'ai déjà. Euh, je ne le vois pas. Belenus dans les j'ai déjà. C'est un joli mob et de toute façon il te manquait Rika. Donc si tu ne l'avais vraiment pas, c'est euh, c'est assez big. C'est assez big. c'est un, un super mob. Euh, on continue pour l'instant, de toute façon, on, on, il veut les foutre, les doublons en, en LD, donc euh, on n'a pas besoin de les changer, des les transformer en même temps Let's go, c'est new Et eh ben on prend... Alors peut-être... Et cette fois-ci c'est Yennefer Vent C'est vrai que des Yennefer, on n'en a pas invoqué euh, des masses, de, des masses, des masses. Et on continue. C'est bah, pas nickel, j'ai chopé euh, il y a trois jours mon sixième 5 note LND, ouais, Jade, putain, GG, GG, c'est beau gosse. <coughs> J'ai vu qu'il y avait euh, encore une saison, ça m'a fait penser à toi, petit Jack. Il y a, il y a encore une saison de euh, qui veut être mon associé qui est sorti. Je les ai pas regardés euh, parce que j'avoue, je qui faire des réacs de ça à l'époque, c'était euh, c'était stylé. Mais euh, mais on les a pas, on les a pas regardés là. Et de toute façon, je pense que maintenant c'est, il faut des accords euh, télé et tout. Enfin. Je suis pas assez big pour pouvoir, pour pouvoir le react sans être stream snipe je pense. Je pense si tu t'avais vu sur Twitter il y a quelques semaines euh, ce qui m'est arrivé. J'ai je sais pas Julien je sais pas le doublon nikki, ah oui c'est terrible c'est terrible ah j'ai un pote du collège qui est passé jeudi ah ouais trop marrant Tony Parker dans les qui va être mon associé ils l'ont remplacé par qui il y a toujours Marc Simoncini, ça je le sais parce que je le vois tweet en perma. Euh, C'est un peu gris de Twitter, Marc Simoncini. <laughs> mais. Euh, Chevalier de la mort. Bah, en fait, hey, j'étais l'un des premiers à à cette émission. Maintenant, j'ai vu qu'il y avait Kamel qui l'avait fait il y avait beaucoup de gens qui l'ont fait. Euh, mais la toute première édition, euh, ouais, j'étais là quoi. Je le réactais avant que ce soit cool. 05nat en quasiment 10 ans une étincelle ld du jeu voleur phantom light let's go ouais mais attends frère euh, je suis désolé je suis des Yuji mais je peux pas peux pas l'accepter c'est une remarque que je ne peux pas accepter 05nat en quasiment 10 ans une étincelle ld du jeu voleur phantom light c'est tu joues pas au jeu frère ouais, moi aussi je pourrais dire pareil sur euh, Yu-Gi-Oh! card game euh, j'ai jamais eu euh, <laughs> j'ai jamais eu euh, le je bah, connais aucune carte donc je vais juste la fermer mais voilà bah oui, mais je joue pas au jeu, donc c'est normal. Tu peux pas avoir 10 ans de jeu et avoir une étincelle LD. C'est Techniquement parlant, tu serais l'homme le plus malchanceux du monde, quoi. Tu traverses la route, tu te fais écraser par un bus. Par contre, doublon Niki, mais juste avant, j'ai eu deux LD, Daniel et Niki, justement, j'étais heureux. Ouais, ouais. Doublon Niki, ça fait quand même chier parce que quand t'as. En fait, je pense que sur le. Putain, dommage. D double triste. Quand t'as. Euh... Bon, c'est du qu'il le quoi. Quand t'as euh... un doublon. 5 nates LD. T'as as un ascenseur émotionnel de deux zinzin en deux en deux parce que t'es en mode putain, ça fait grave chier, mais je vais avoir une. 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 Merde, une, une, une bénédiction Pour la. Oh, encore une C'est qui C'est quoi Sirio, let's go une nouvelle, let's go Putain, on est en train de régaler au niveau des 5 nates collab. Hein. Putain, la vache Dommage, elle pue le cul <laughs> En vrai, euh... bon, voilà, cool, hein cool, 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 cool. Euh... Après, en vrai, ça ignore la défense. À voir. Mais bref, tout ça pour dire, quand t'as un doublon LD, t'es en mode, putain, fait chier, j'ai déjà, ouais, mais ça me fait une bénédiction. Oui, mais il faut la pop, la bénédiction, quoi. Et après, tu peux réattendre 10 ans. <laughs> Ouais je t'abuse on t'a eu plein de 5 notes On t'a eu des trucs cool Yo les humains Yo Spoon comment ça va J'aurais eu l'aima, ça m'aurait fait toutes les OG Oui bah écoute moi aussi si j'avais eu Niki j'aurais eu toutes les OG c'est comme ça Mais oui effectivement Non mais ça fout toujours les boules Mais dis toi que la prochaine fois que tu pop ton truc Normalement tu devrais être régalé quoi Niftis Nigong gong djana oui 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 d'accord non, mais euh, petit Jack, il est là quoi. Alors, Mommy le loup garou, loup-garou, serpent, loup-garou. Ah oui, trois loup-garous comme hein, sur, le, sur le même truc. Mais c'est tout ce qui méritent. Après, autant de chat, je trouve. <laughs> non, il n'y aura pas de gens aujourd'hui, les gars, je vous le dis. Bah, le, le titre du live, c'est vraiment 5000 vélins pour abattre l'ennemi. Donc, il n'y aura que du vélin. Et ce sera très bien. Si vous ne voulez pas que je me retrouve euh, comme Rémi sans famille sans famille, ce sera très bien. Hop Dorothy, ici, j'ai le vent en poupe. Ah oui, <laughs> ça fait. Mais tu vois, ça fait grave plaisir. Je suis trop trop content pour toi, néon. Trop trop content. Ok. Mammouth de combat. Tac-tac. Sorcière mystique. Armure vivante, chevalier penguin. La fée, l'homme lézard inferno. Allez alors peut-être, non. J'avoue que vu qu'il a pas un petit Oliver, ça me mettrait très, très très bien. Ok. C'est encore de l'atrice. Petit Oliver là. Petit Oliver. Ok. Ok. Yennefer, j'aime trop. Yennefer, on est d'accord que quand elle sort, on dirait un peu les Camilla ou pas du tout. Ou il n'y a que moi qui. Enfin, pas Camilla, mais t'as compris du coup les euh... les chevaliers comment ils s'appellent d'ailleurs les Camille et les, les Katarina et tout là Vanessa s'appelle comment ça en forme non éveillé putain ok les Valkyries merci putain j'avais plus le nom j'étais en mode mais non c'est pas des chevaliers c'est pas des chevaliers ouais les Valkyries on dirait un peu des Valkyries non quand elles sort ou pas du tout Narcha Yager en 50 Dark Knight mais deux ans mais deux hand 5 élémentaires en 950 vélins. Ah, oui, ouais, ça va. Tu vas pas, euh, tu euh, le mec, il abuse. Northay, Yeager, euh, 50 Dark and light, mais rien sur les autres. On s'en fout. Hein. Le but du jeu, c'est d'avoir du cinquante Light and Dark. Hein, c'est bon. Il hein. les... y a que Neosis qui a hein, Maintenant, euh, on est d'accord. Il ouais, y a deux trois perchés, mais sinon, tout le monde a tous les mobs. Oh, pas quasiment, mais bon, voilà. Ok, 350 vela mystiques. Allez. Momie armure vivante, sorcière mystique. Toutes ces merdes. Allez, petit Oliver. Oh, dommage. Dommage. C est... C est... Parce qu'en fait, tu m'as pas vraiment envoyé de oui. Enfin, la wishlist, c'était surtout pour du light and dark, on est d'accord. Mais au niveau des 5 nattes, tu as mis quand même que. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Tu en as mis 11 alors qu'il t'en manque peut-être 50. Mais! Dans les 11, il a quand même pris soin de mettre Cho. <laughs> Cho et Liam, s'il vous plaît. Alors, je veux bien qu'il y ait eu des buffs successifs sur les persos, mais faut quand même aller se faire foutre, quoi. <laughs> ah, je dis pas non qu'il me chie euh, la gueule les élémentaires. J ai, j ai... Si je drop un 5-nat tous les 40 dl, je prends. Putain, c'est clair. Pour le laby Cho. Non, mais c'est bon, euh, néosiste. T'as quel âge Tu fais pas le laby. <laughs> c'est bon, j'en peux plus. Mon cinquième c'était Kitian Dashing Putain Kitian euh, quand même Un joli mob hein. Mais de toute façon Kitian Mêlé à Au nouveau là Qui contrôle en AO et tout Ganymède Tout ça Oh Gladiatrice Ah Bah du coup c'est Celle-là tu l'as Celle-là on est sûr que tu l'as <laughs> Parce que je l'ai vu tout à l'heure euh, Attends C'est sûr que tu l'as elle Yo Vilmac ça va quoi Euh je l'ai vu non Je l'ai vu ou pas Est-ce qu'elle est dans les G déjà Putain wow. Ouah. Dieu merci, j'ai pas fait l'erreur. Euh, tac 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 tac. Euh, ok, j'ai switch sur. Et euh, sur... hey, c'est quoi Attends, je vais faire un truc comme ça. Il y aura pas d'erreur. Hop, voilà. Ok. Bah, je la vois pas là, mais euh, bon. Est-ce que tu l'avais quand même pas euh, là. Ouais, j'allais lire les logs, hein, euh, clairement. Enfin, en fait, non, j'étais sur la page de, de la wishlist et elle s'est fermée. Il y a eu les logs qui sont apparus. Mais heureusement, vous n'aviez rien vu. Et du coup, j'ai supprimé le message. Comme ça, on est sûr que ça n'arrive plus. Viens, elle tape sur les... <laughs> Exactement. Euh, tu l'avais ou pas Oui, j'ai en Assassin's Creed. Ok, nous sommes à 3-5 nats. Est-ce que tu veux... Ouais, pourtant, je suis vraiment pas le genre hein, d'habitude, mais je pense que c'est pas mal si on te prend une bénée. Quoi Ah ouais. Si on te fait une bénée, je pense c'est pas trop mal. Le reste, on garde pour le moment, tu vois. Histoire de dire, bon, le prochain, c'est forcément un nouveau quasiment, tu vois. Après, si tu veux full Light and Dark, on fait full Light and Dark une, mais parce que c'est toi. Non, en, en vrai, en vrai, non, je veux pas te forcer. Si tu me dis euh, non, en vrai, le ratio est bon, euh, euh, on s'en bat les couilles de un de temps en temps. Euh, voilà, on, on prendra du Light and Dark, mais euh, je pense, sans faire le mec, ça me semble assez bien d'en prendre une parce que euh, parce qu'on a eu quand même pas mal de 5 nattes de la collab, on continue de cliquer avec la collab parce qu'il faut. En vrai, éveille la avant. Non, mais au pire, on balance pas elle, on s'en fout. Non, mais vas-y, go béné en vrai. Ok, ok. Je, je, vais béné, euh, je vais béné le Molong. Ce sera déjà très bien. Hop. Ah, bah en plus, t'avais de quoi en prendre une déjà Ouais, y a même pas besoin de béné. Bah, du coup, c'est pas grave. Du coup, tu, on est, on est quand même bien. 298 vélins, let's go. Alors, on dîne. Je le skip direct parce que du coup, qu'on ait une béné, je pense que je devrais être capable de même si c'est sur émulateur de m'en rendre compte captain pirate et bah finalement on est pas mal dans les stats là on a bien rattrapé je suis content les deux trois d'affilée quasiment euh, ça ça a bien compensé donc c'est cool et il reste tous les vélins bonus il reste il reste beaucoup de choses hein. il reste encore beaucoup beaucoup de choses il est 10 heures on est large dans les temps je pense aussi à Hunter qui, qui, qui vit au Québec, pour lequel il est déjà 4h du matin, qui sait enchaîner 7h d'aram lui aussi, et qui est dans, dans, certainement dans un coma partiel. Hop. Ok, et c'est Tris, Tris O. Oh. T'es pas passé sur Steam Non, j'avoue que je suis pas encore passé sur Steam. Est-ce que ça change quelque chose ou est-ce que ça change rien en vrai Faudrait que je vois. Il a pas de raison particulière pour lequel je suis pas passé sur Steam en vrai. Mon émulateur fonctionne bien. Je pense que ça doit être la raison principale où je me suis jamais dit putain mais pourquoi je passe pas sur Steam quoi. Euh, sur Steam sur t'as un flow, euh, t'as un flow là t'es la plebe. Ah bon Mais vous le saviez même pas. Ça change rien, tu vois. Vous le saviez même pas, vous me posez la question. Donc euh, je pense que t'es un menteur, doublé d'un, d'un. D'un connard en vrai parce que c'est la néon. <laughs> j'ai pas d'autre qualificatif. <laughs> Salut hypnose Moi j'ai pas mal de bugs sur Steam. Ok. En vrai je le téléchargerai. Ça coûte euh, rien à part de la place quoi. On, on va s'en remettre. Hein. Bum, 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 bum. Alors peut-être Non chevalier de merde. Hop là. Doublé d'un très bon photoshopper. Non mais putain. Encore une triste, Parfait. Oh, juste derrière, c'est notes Non, dommage. Euh, c'est une triste de nouveau. Oh J'allais dire, la vache. Attends, on est à 3 là. 3 sur 3. Oh, dommage. C'est quoi le max que qu'on peut avoir dans un truc. Quoi Je pense que si t'en as 5, t'es déjà beau. Si t'en as 6... 6 ou plus, c'est... Tu triches. Le taux 3 qu'il qui n'est pas si beau. Mon jeu fait que crash ces derniers jours, mais je crois qu'ils ont réparé ce problème. Ah Super. <laughs> Le Taoïste vent. Je, je crois que Néosis en rêvait nuit et jour. Et d'ailleurs, il l'a pas mis dans la wishlist parce que c'était... C'était trop au-dessus pour... C'était au-dessus de ses rêves les plus inatteignables. Et encore une triste. Bon, je pense que ta triste que je t'ai eue, elle va être skill up. Hein. Euh, honnêtement, vu le nombre qu'on en a chopé. <laughs> ouais, ça crache sur Steam. Ouais, mais je, je crois qu'ils avaient réparé les bugs et que ça crachait plus. Pour la plupart d'entre vous. Après, peut-être. D'entre nous. Après, peut-être que. Euh, que la pu eh, Franchement, ça me fait trop penser au Valkyrie quand elle sort. Euh, après, peut-être que. Qu'effectivement, ça dépend de la puissance du PC. Ok, Tris, Gladiatrice. Et il me manque euh, voilà, une actrice. <laughs> c'est tout ce qu'on a eu. Mais ça, ça va. Trois étincelles, c'est grave rentable. Oh, ça continue, putain. Oh, le Joker, le Jojo. Et c'est tout, putain. <laughs> ça crache plus, perso. Mais le fait de pas pouvoir jouer avec une manette à un autre jeu sans foutre en l'air sur mon zone à côté m'a fait quitter direct. Le fait de ne pas pouvoir jouer avec une manette à un autre jeu veux Ton meilleur flip reset sur elec et ça cancelle ton brand Summoner's Ah ouais, d'accord, en fait ça interagit quand même. Oui, parce qu'en fait du coup tu peux pas à la fois jouer à un jeu sur Steam évidemment et à la fois jouer à Summoner's War. Enfin, tu peux, mais du coup ça nique, euh, ça nique le truc quoi. Ouais, ouais moi je suis bien là sur. Euh... Moi, moi je suis même, en fait c'est même pas un. C'est pas vraiment un émulateur, moi je suis sur Google Play jeu bêta. C'est Google moi. Donc je sais même pas si ça compte comme un émulateur ou pas en vrai. C'est Google Play. J'étais sur Steam mais ça consomme 4 fois plus de RAM qu'un émulateur plus t'as pas de raccourci clavier donc FF. Alors, faire gaffe aux raccourci clavier sur émulateur justement mais bon tu peux faire les deux mais faut, euh, faut rester au clavier souris. Ok. Moi j'avais essayé de lancer à la fois euh, GTA et euh, Witcher 3 euh, parce que je jouais à The Witcher avec mon... mon je vous raconte pas je, je jouer à The Witcher avec mon petit frère et sur GTA j'étais en prison pendant euh, 12 heures. Donc, euh, la prison sur GTA, euh, c'est vraiment la prison. Euh, tu, peux, tu peux faire des petites… Euh, pour ceux qui ne connaissent pas du tout, tu peux faire des actions pour réduire ta peine. Mais euh, en gros, si tu fais des actions, ça va la réduire de moitié, ce qui est énorme. Mais c'est petit à petit quoi, c'est vraiment long. Et du coup, j'avais un peu la, la big flemme et je l'avais lancé GTA sur le côté et je jouais à The Witcher en même temps. Comme ça, ça baissait la peine quand même de manière euh, naturelle. Et euh, bah, c'était bien chiant sa mère. Mon PC il crachait un peu, un peu du feu, mais ça allait en vrai. J'étais assez surpris. Parce qu'il il commence à dater un peu mon PC. Hein. Et euh, mais voilà, globalement, globalement j'avais pu lancer les deux, mais c'était quand même chiant. Euh, il manque pas du 5-4 là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y en a un qui est parti en Béné. Il m'en manque un là non Peut-être pas. Peut pas. Euh, on continue. Allez. En vrai, est-ce que ce serait pas le moment Si, c'est le moment d'aller chercher les, les vélins sup. Qui lui a demandé de raconter sa vie Oh, lui, vas-y. <laughs> ouais, je vais l'allumer. Euh, alors. Tac, 235 vélins quand même. Hein. Hop, c'est plus que les minutes de ban qui va prendre euh, la néon. Donc, c'est pas mal. On continue. Ok. Alors, Zibala que tu as déjà ou Triton Gros stripper, euh, grosse vitesse de base, gros gain, gros respect. Tu vois, là, on aurait pu se dire celui de gauche, c'est celui que tu aurais eu. C'est le Zibalux. En vrai, ça va On aurait pu aussi avoir l'hiver. Mais euh, je trouve que ça va. Du coup, ça a, ça a rendu la bénédiction utile. Euh, il s'en bat les couilles, hein, visiblement. Ou alors, il est parti dormir. <laughs> J'avais testé sur Steam. Quatre fois plus. Ouais, bon, ouais, bien joué la Bébé. Voilà, c'est tout ce que je voulais entendre. Voilà, c'est tout. J'avais raison, c'est. Non, c'est important de le dire. C'est important de le dire. Cool. Let's go. On continue. Allez, un petit truc de la wish list en vrai là, juste pour le rendre bien heureux. Forgeron, rentre... putain, moi c'est sur lol les gars. Je, là, je vois ça parle de Rocket League. Ça fait très longtemps que j'ai pas lancé Rocket League. Euh, je t'as pas de reset moi parce que je, je sais pas faire mais du coup je, je rejoue à lol pas mal et j'ai un j'ai un, un winrate qui est qui est infâme, quoi qui vraiment je, je pète mon crâne je vais, je vais retourner sur opgg là je vais chercher mon nom et je vais juste y aller je pense jumpé france 2 alors jumpé france U west euh, ça c'est un mec qui m'a volé mon compte jumpé france 2 on a eu encore une triste, putain. La vache, il y en a des étincelles, hein. Danseuse du ciel. Mais 4 étincelles, non, c'est fou. Voilà, c'est fou. Ok. Putain. Quand même, on le régale un peu, un hein, petit Neosis. Euh, Preview Slader. Voilà, j'ai 37% de win rate sur mes 20 dernières games. J'ai 7 lose. J'ai 7 wins pour 12 défaites. Attends, ça fait même pas ça fait pas 20, ça, ça fait 19. Bon, il est bugué, le truc. Mais en tout, sur la saison. Je suis à 43% de win rate avec 17 wins pour 23 défaites. Je vous jure que j'explose mon crâne. J'explose mon crâne. Défaite sur défaites sur défaites euh, sur défaites sur défaites sur défaites. Défaite. C'est c'est infâme. Je suis gold de 4 alors que la saison dernière j'étais platinum 2. <laughs> je mais je tombe que avec des mongols. Hein. Je vraiment c'est c'est très très dur. Mentalement c'est extrêmement dur. Oh une gladiatrice encore. Vraiment, il y a des games où je suis le seul qui a un KDA positif. Euh, le top est en 0.4 au bout de 5 minutes. Après, il y a des games où je joue pas très bien en vrai. Mais il y a, y a que des games difficiles. Il n'y a pas de game euh, où je suis en mode putain, euh, wow, tout le monde a bien joué et tout quoi. C'est dur, c'est dur. Je, Ouais, mais tu vois, Hiru, c'est pas possible que ce soit impossible de gagner une game pour tout le monde. Il enfin, y, a, y a forcément des mêmes. S'il y a des mecs qui perdent, il y, y a les mecs en face qui gagnent, tu vois. Mais euh, oh. Salut euh, Fates. Heureusement Solari euh, effectivement euh, performe. C'est ce qui me donne du baume au cœur sur le jeu. Mais mais ouais, je, en ce moment, soit je deviens vraiment trop vieux et mauvais. Mais tu vois, je te plate deux. Bon, c'est pas, pas un niveau de zinzin plate deux. On va pas se mentir. Mais c'est pas non plus euh, bronzos quoi. Et ben je me. Après Harry a été Harry puis bien la merde. C'était mon air. C'était mon main. Enfin c'est toujours mon aim... mon main. J'ai Je sais pas combien de, de, de centaines voire peut-être de milliers de games avec Harry parce que c'est mon main depuis euh, depuis la saison 4. donc j'ai toujours joué ça. Mais euh, mais bon, je sais jouer plein d'autres persos en vrai, mais pas aussi bien qu'elle. Et avec Harry là, je suis à 20% de winrate quoi. C'est c'est infâme. C'est infâme. Je, je me fais je me fais euh, casser une petite arme. On se fait une petite arme si vous voulez. Hein. Non, non, mais en vrai, euh, ouais, je, moi, moi j'aime trop les, les classer, mais. Mais là c'est chaud. Faudrait que je commence à jouer les persos méta, les Galio, les trucs comme ça, parce qu'en vrai c'est pas si compliqué à jouer Galio. Mais bon. Pour bon, un moment, il y avait Kennen qui était hyper fort et je le jouais mid et ça fonctionnait. Il y a Morgana en vrai. Morgana mid. C'est pas OP de fou, mais bon, j'ai fait une game avec elle, j'ai gagné. Ça casse quand même les couilles Morgana, une fois qu'elle a un peu d'item, tu cleans les vagues hyper facilement, tu fais des grosses décales. Et en fait, le truc, c'est qu'à nos niveaux, surtout en Gold 4, tu, si, tu, si tu catches un mec avec Q, et en vrai, tu en catches des mecs avec, avec le Q, il est, il est CC pendant 3 secondes, normalement, les mecs, ils le défoncent. Bon, sauf si tu fais l'erreur de catch le Volibear en face ou le UDIR, que tout le monde balance ses ultis et qu'après, tu sois en mode, bon, il bah, n'y a plus rien pour catch la backline, c'est un peu chiant. C'est un peu chiant. Ou alors je, je me remets à jouer support, mais c'est pareil, t'es pas avec des, des calistes, quoi. Hein, ou, ou, ou des hein, es... La Dernière fois, je chope des mecs sous tour avec Blitz. Euh, l'ADC il recule, il flash out. <laughs> t'es en mode, vas-y, c'est bon, on va te faire reculer à un moment donné. <laughs> T'en peux plus, quoi. Euh, Jouffis, tu vas te régaler. Bah en vrai... Euh, Fils, en fait, j'ai du mal avec les persos euh, corps à corps. Moi, je suis vraiment joueur de mage ou joueur de grab. J'ai toujours eu beaucoup de mal avec les joueurs de, de corps à corps parce que euh, je suis en mode... De, ah bah, si, si, si je suis corps à corps, je suis forcément plus, plus fort que le mec en face. <laughs> Et enfin, euh, forcément, mon perso est forcément plus puissant, donc je gagne mes trades. Et la vérité, c'est qu'à chaque fois, je me fais laver le cul. Donc, il faudrait que j'apprenne à jouer quand même des personnages... Euh, il y a Malfit que j'aime beaucoup jouer, qui est un personnage corps à corps. J'aime bien le jouer au mid parce que c'est n'importe quoi. Avec le holo et tout, là, avant qu'il soit nerf, c'était vraiment big. Donc, ça, j'avoue, j'ai un très bon win rate sur Malfit. Je suis à 71% avec Malfit mid euh, sur cette games. Donc, c'est pas mal. Avec un KDA de 3,5. Donc, en vrai, c'est pas dégueu. Et Morgana, j'ai un, KDA... un KDA de 7,25 quand même. Hein. C'est big de fou. Je crois qu'il faut, faut que j'arrête de jouer à rien. Hein. Vraiment. Victor, euh, ouais, Rise, euh, j'ai jamais trop joué Rise. Jamais trop joué Rise, ouais. Je ne vais pas mentir, je connais même pas. Enfin, je vais pas dire que je connais pas ses spells parce que t'en affrontes donc si, mais je crois que j'ai jamais vraiment pris en main. Par contre, il y a le nouveau nouveau perso là, c'est quoi C'est, j'ai même pas regardé si c'était un mage ou un truc comme ça. C'est quoi le tout nouveau perso qu'ils ont sorti là Je l'ai vu ban euh, la dernière fois que j'ai joué. Je suis en mode, je le connais pas. C'est un ADC ah oh bon bon bah pas de souci pas de souci à se faire euh, un autre gars du neuf nickel capote seul <laughs> qu'est-ce que c'est putain qu'est-ce que vous avez en Europe bordel euh, tac et tac Smolder c'est un ADC qui stack comme Vegar. oh oh oui c'est les bons Draven et les bons trucs à la con comme ça là mmh. Mmh. Oh non merci c'est vrai je l'avais vu en plus j'avais vu son j'avais pas vu son kit mais j'avais vu la présentation de... que... que Ligue en avait fait sur Twitter le petit smolder ok bon on en a fini avec les Venom Mystiques 10h30 10h16 on est pas trop mal dans les temps je suis content euh, pour l'instant ça se passe quand même relativement bien on n'a pas eu euh, le Saint Graal qui pour moi est, serait Oliver Shizuka c'est quand même des monstres de fou furieux. Mais on a eu des très bons monstres en vrai pour, euh, pour l'amélioration. Et puis c'est pas, pas fini quoi. On va avoir du 5-9 du Titan Dark. Euh, voilà, on va mettre tout le monde d'accord évidemment. On est 6 euh, le premier. Smolder, tu vas kiffer, tu peux le jouer mid. Alors, comme j'ai dit, j'ai je... dit que je jouais des mages. En vrai, je joue des persos à distance. Donc ça m'arrive de jouer des Tristan à mid et tout. Je suis pas le meilleur avec, mais euh, je me sens quand même en sécurité. En fait, ce qui me gêne sur les persos CAC mid. Euh, type Z, euh, les trucs comme ça, c'est que... Euh, les, les... Je... Je panique, quoi. Franchement, je suis en mode, je me fais ganker niveau 2, euh, c'est fini. Harry, bon, avec Harry, je flash out, j'attends le niveau 6, <laughs> bien tranquillement sous tour, et puis euh, ça passe. J'arrive à jouer derrière sans problème avec Harry, en fait, c'est ça. Et franchement, je, je me considère pas, pas trop dégueulasse. Oh, Diana Pas trop dégueulasse mécaniquement. Bon, pour un niveau gold plate, quoi, je veux dire, évidemment, je, je suis pas... Je suis pas euh, DK, mais, euh, mais voilà. Diana, tu l'avais pas Attends, c'était Wishlist Imagine. Imagine. Oh oui Elle était Wishlist Oh putain Elle était Wishlist Eh mais vous savez, n'empêche, je fais le mec Mais euh, la petite euh, que j'appelle Claire depuis tout à l'heure, alors qu'elle ne s'appelle pas Claire. Elle aussi elle était wishlist hein. Et il a pas euh, Il a pas hurlé en fait <laughs> Non mais c'est pas que je m'en branle C'est que j'étais Je pensais que tu l'avais Je pensais que tu l'avais Ok mais non mais euh, d'accord Pour lui c'était wishlist euh, Top tier Ok excusez-moi Excusez-moi Mais tant mieux Tant mieux qu'il soit content Attendez I'merdinger I'merdinger ça va aussi Parce que Si tu te fais gank euh, Tu presses R Une tourelle Tu zonia, Et ça va mm -mm. Il attaque quand même un poil. Il, il a quand même pas mal de il a pas mal de range, un hein, Hammer. Xerath aussi, c'est des persos que j'aime bien, même si c'est pas très mobile. Mais j'avoue, je suis fan de mobilité, moi. J'adore aller sur les autres lanes, euh, claquer R, flash, <laughs> faire un kill. Oh, Damn, on l'a déjà <laughs> Alors, oui, mais est-ce que quelqu'un a testé d'en avoir deux Ça, je me demande, en fait. Euh, ça, je me demande. Perso, je suis sur une addiction à GP en ce moment sur LoL. Euh, ouais, bah, typical GP, euh, attaque au corps à corps, même s'il y a les tonneaux et tout, je pense que je pourrais pas trop le jouer. Mais en vrai, c'est pareil, j'ai jamais testé. Les, quand je jouais. Euh, il y a un moment, j'avais demandé un coaching par Gob, parce qu'on se connaît un petit peu. Et euh, du coup, je m'étais dit, je vais prendre un perso simple, même si Gob il ne le joue pas. Je vais prendre Garen. Et franchement, avec Garen, c'est un perso à la con. Hein, vraiment euh, Moi, je le trouve vraiment simple. Euh, je m'en sortais vraiment bien au top. Mon farm était pas dégueulasse. On me ganquait, je queue out. Euh, je, franchement, j'étais vraiment pas dégueu, je trouve. Mais du coup, c'est un peu le seul perso top que je pouvais jouer avec Vayne. quoi. Tu as summon pour toi euh, Salut Anto. Je vais non, oui, j'ai déjà summon pour moi, mais j'avais pas beaucoup de vélan. On va faire ça. Bon, la petite triste feu. C'est sûr, elle va partir en Light and Dark, celle-là. Elle mérite. On va peut-être choper une triste Light and Dark avec. On ne sait pas. Et on continue avec les vélins d'eau. Les, euh, les water vélins, comme on les appelle. Et c'est celui-ci qui tombe. Hum, hum, hum. Hâte de voir en RTA. <laughs> ah wait. oui. Oui. Oui, oui, oui. Double triste. Après, peut-être que tu me dis attends, c'est une révolution. Euh, double triste feu, ça a toujours été mon rêve. Je ne sais pas. Je sais pas, mais et si c'est pas le cas, t'inquiète, on l'utilisera à bon dans les dans les LND. Allô. Alors... Ça me chauffe. J'ai envie de vous parler d'un truc, mais je ne peux pas parce que rien n'est fait. Mais euh, je vous l'ai dit hier, j'ai une bonne nouvelle. On parle de lol et tout. Voilà, voilà. C'est tout ce que je vais vous donner comme euh, comme info. Mais j'ai hâte lundi, voyez-vous. J'ai hâte lundi. Ok, Forgeron laisse Gong. Bra, 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 bra. Maître Eve, Maître, Maître Oh, Oh, oh oh. Ok. Trice, oh. Fait chiant. Le pauvre mais Goldir, euh, tu en dis trop. <laughs> Bah non. Bah non, 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 bah non, bah non, bah non, bah euh, non. Et une trice encore une fois. Jumper en LFL. <laughs> non, non, non. Div 2, div 2. En oh, div 2, attends. Euh... Les gens qui disent pour rien dire. Mais j'ai rien teasé. J'ai juste dit j'ai hâte lundi. Ouais, J'ai même pas le droit d'avoir hâte euh, les jours. C'est un truc de fou, ça. Laissez-moi bon, respirer, là. C'est waouh. Putain. C'est vrai que j'ai déjà bossé avec Riot une fois. J'ai fait un rap au cas où les gens l'auraient oublié. <laughs> Mais voilà Mais là ça n'a rien à voir <laughs> Tu fais euh, le, le LFL Days Non malheureusement je ne fais pas les LFL Days euh, Je ne fais wow, Crois en toi qui s'est pris qui, ont, qui a attaqué la néon de jumper, Mais waouh <laughs> Je ne sais pas s'il y a un bail entre vous Mais c'est chaud c'est chaud <laughs> <the fuck> <laughs> j'avoue je vais vous dire un truc mais vas-y en même temps je peux pas qu'elle supplice ouais bah, bah parce que bah, je vous dirai quand quand je vous dirai c'est tout mais vous savez que j'aime bien vous parler d'un peu de tout ce qui se passe mais il y a des trucs que je peux pas hum, hum, hum. je peux pas je peux pas gladiatrice ouais yo Dexter the reals ah, t'as retrouvé. As retrouvé... Bah, franchement, c'était pas dur. Mais pas dur. Hein. Mais c'était. Eh, hey, franchement, ce. Ce tournage était vraiment cool. Bon, moi, c'est la première, certainement, et dernière fois que je ferai un tournage de musique. Et j'étais terrifié. Et je leur ai dit, les gars, moi et la chanson, c'est pas. Mais je me rappelle que Étoile avait dit Junpei a tué la prod. Et ça ça m'avait fait un petit quelque chose parce que moi entendre ma voix je trouve ça je trouve ça immonde mais voilà hop la deuxième trice mais, et ça l'est probablement mais euh, mais voilà bon ça m'a fait plaisir voilà c'est tout le droit d'avoir un petit peu <laughs> t'avais un flot évidemment que tout, tout quand vous arrivez sur un tournage comme ça rien n'est laissé au hasard enfin c'est pas moi qui ai choisi de m'habiller comme ça ou quoi c'était c'était il euh, y avait un mec avec plein de vêtements D'ailleurs, c'était Nana. Elle est légendaire. Hein, je suis passé sur légendaire. Je ne vous ai même pas prévenu. Hein, je vous le dis. Euh, mais ouais. Il y avait un man ou une Nana. Je crois que c'était une, une styliste qui était là. Il y avait euh, une, euh, des vêtements de fou. Enfin, des vêtements de fou. Il y avait un partout. Elle m'a dit Ouais, toi, je te verrai bien comme ça, comme ça, comme ça. J'ai fait un test. Elle m'a fait mmm, Je ne pourrais pas faire mieux. <laughs> Et ben vous savez quoi J'ai gardé le Bob. On avait le droit de garder un item, bah j'ai gardé le bob. Ouais, J'étais en mode ça me fait un petit souvenir. En fait, les tournages comme ça, moi, je ne suis pas euh, Gotaga, j'en fais pas toutes les cinq minutes. C'est des tournages assez ouf, tu vois, pour moi. Du coup, j'aime bien me dire, oh, putain, j'ai fait ça dans ma life, quoi. Alors, bon, le résultat, on l'aime ou on l'aime pas, je m'en bats les couilles. Hein. Enfin, c'est pas que je m'en bats les couilles, en vrai. Je suis pas rappeur. Donc, euh, évidemment que ce ne sera pas du. De, de, du un truc, que vous... un truc top parfait. Mais, euh... Mais c'est pas grave, j'ai vécu l'expérience de fou et tout. Franchement, c'était génial. Il y a eu un 5-net. Mais ben n'importe quoi. Il y a eu un 5-net Mais menteur. Oh, le menteur, celui-là. Mais c'est grave, Anto, d'être un menteur. C'est grave d'être un menteur comme ça. Euh, par contre, je, ce serait bien qu'il y en ait un, j'avoue quand même. Mais pas un qu'on a déjà, hein, mais okay. ok. Ce serait bien qu'il y en ait un sur les légendaires. Enfin, si, si évidemment le jeu me le permet. Par pitié. <laughs> non, mais un. Tu vois, genre, on en a pas 12, mais aussi, d'accord. Ah, oh, Jumeyer, attends. Jameyer, elle était dans ta wishlist. Il était dans les G déjà. Eh ben ouais mais t'avais qu'à pas faire un G déjà moi je regarde je, je, je me suis sûr tu vois <laughs> ouais mais t'es chiant moi si je, après je le vois mais, visuellement je me dis putain mais si il y était j'en suis sûr il y était mais il était dans les G déjà c'est bon là ça casse les couilles ouais, c'est pas grave c'est pas grave on aurait pu avoir euh, zéro ce que t'as pas mais c'est pas grave c'est pas grave on va en avoir un deuxième t'inquiète ah c'est obligé c'est obligé regarde bien regarde bien joueuse de harpe. le samouraï la pierrette, et boum! Ça, c'est un 5 de fou. Ok. Ça, ça c'est un 5 de fou. Demoiselle des Enfers! Non, t'en as une, je crois que c'est celle-là. Ce serait horrible. Ah non. Ah non, t'en as pas, je crois. Je crois t'en as pas. Je crois t'en as pas. Je crois t'en as pas. Je crois. <laughs> t'en avais pas des Demoiselles des Enfers. Hein J'ai pas, let's go. Ok, en plus, elle est fou, elle est folle. En vrai, en vrai, elle est sympa parce que réduction de, de barre d'attaque. Par contre, j'ai eu tel... eu tellement de, eu tellement de, de, de réduction de barre d'attaque que wow, les mecs en face, ils vont jamais jouer. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Tu aurais mieux fait de fuir. Oui, bon, ta gueule. Et l'hypno-merde. Eh bah ben, ça fait plaisir. Continuons peut-être sur les... Dans les légendaires tout on les gars... Vélins, WC peut-être Ah bah cool, on en a eu que... Ah si, il y a Triton. Ben voilà, putain, oh. Il y a Triton. Euh, tu veux qui Shizuka c'est bon. Putain, mon t'as eu tellement de mobs, c'est un truc de fou. Euh, tu veux qui Nora Ah attends, c'est pas lui qui a répondu. Euh, Nora, ouais, sympa de fou, Nora, sympa de fou. SDF, <laughs> sympa de fou. Collabs Ta gueule. On a eu plein des collabs. Attends, on est Ozis, tu vas pas nous faire chier en plus. Ah, Bolverk pour Théoah L, j'avoue, j'avoue, j'avoue. Ouais, Nora. <laughs> en même temps, il a fait une proposition, il s'est fiché dessus. Non, mais Nora, c'est... Non, mais t'inquiète, t'inquiète. T'inquiète, t'inquiète. Euh, regarde, hop, on va te choper une dingue. Ah bah voilà, c'est direct une dinguerie. Voilà, Odimoucha. Ok. C'est un 5 notes, ça. Assassin haut et. Voilà. Voilà pourquoi ça sert à rien de s'attarder trop longtemps sur les 5 notes ici. Vélin spécial le vend. C'est parti. Ok. On peut utiliser Rune Optimizer avec Steam. Oh, euh, je sais pas, Azeox. En vrai, je sais pas. Ah la chance. Maître des poisons, Gargouille ou Horus En vrai, puis-je te demander... Euh, puis-je te demander de me laisser choisir sur les 4 notes sinon ça va prendre 1000 ans et demi. Osef en pif. Ok. Ok, merci. Merci pour ça. Une Gargouille feu insane en GVO. Bon, c'est bien possible, hein. c'est vraiment bien possible. Mais, euh... mais bon. Je pense qu'il s'en remettra. Je pense qu'il en aura d'autres. Ok, ça c'est pour, euh, pour Léa qu'on va choper tout à l'heure. Quand il va me jumper le Maxildan. Ok. Ok. Ça c'est pour Anne tout à l'heure. Ok. Et ça... Ça c'est pour Chimita, et tout simplement. Voilà. Après on a des étincelles. Hein. C'est bon, hein. ce serait bon duel d'avoir vraiment Oliver là-dessus, ce serait fou quoi. Il y a quand même pas mal de vélins, on pourrait se permettre un 5-9. Hein. Question RP, sorry, tu as eu des news de ton ticket euh, Pour Benson, euh, on m'a euh, demandé à quel point c'était urgent, donc j'ai répondu. J'ai répondu. Mais euh, pour l'instant, j'ai pas, pas eu de réponse de réponse. Hop, hop, hop. Je vais regarder quand même tout de suite. Mais il me semble pas... Bonsoir. Ouais, c'était aujourd'hui à 3h29 du matin. Bonsoir. Euh... Quelle est cette urgence Donc j'ai répondu. J'ai répondu en partie. Et j'ai dit, bon, bah, ça faisait deux jours. Malheureusement, on aurait peut-être pu éviter le drame. <laughs> Ok. Ok. Euh, robot dans ce chakram ou maître Dédé. Robot d'arc. Allez. C'est vrai. Après, il l'a peut-être déjà, hein, mais bon. Ah oh, j'aimerais bien. Eh, Gargouille-feu, c'est OP. Hein. OPGVO. OPGVO. Il régale trop les vélins des il Ah, franchement, y a, à l'époque, quand on les avait vus quand même, il y avait beaucoup de gens qui étaient en mode Vas-y, j'ai eu, eu des dunks dessus. Après, c'est peut-être pas le cas de Neosis, mais. Oh là là Oh là là, tu l'as vu, hein. Tu l'as vu, là, Yonong. Tu préfères quoi Yonong ou Wolyong Perso, Wolyong, moi, j'aurais préféré, mais bon. J'ai Yonong, quoi. Ça pue sa mère. Pire mob du jeu, mais tranquille. Il y a toujours des gens qui considèrent que c'est le meilleur mob. Ça, Ouh, je préfère pas en parler. Je préfère pas en parler, mais évidemment, il y a que ceux qui l'ont pas, hein, qui, qui mentent. Ceux qui l'ont, ils savent. Ceux qui l'ont, ils savent. Hop, voilà, 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 et voilà. Ok, vélin spécial des 9 ans. Vélin légendaire des 9 ans. Oh là, ça sent le 5 nat. <laughs> non, je rigole, c'est une bénédiction quoi qu'il. Oh Go, yes, ça, ça fait plaisir. En plus, les deux autres, tu les avais, donc on a failli se. Ce... Ouais, let's go. Putain. Bon, les vélins euh, nul, était nul. Le vélin légendaire, il fait plaisir de fou. Je vais pas. Euh... <laughs> D'habitude, je fais l'acronyme. Sur celui-là, je vais pas le faire. Évidemment, ça peut, ça peut nous porter préjudice. Euh... On va faire ça. Tac. Tac, 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 et c'est là où on va un peu rentrer dans le dur. Si je puis me permettre, Et rien à voir avec... Euh... Oui, non, on va s'arrêter là vraiment. Ok. Ça, on va sortir ça. Ça fait quand même. Eh Eh hey. hey, oh, 15, 5 dates, hein Bah attends Attends La semaine, elle est pas dégueulasse J'avais dit quoi J'ai dit 15... Euh, J'avais dit 15 Ouais, voilà, 15. et 15 sont les transcendances, hein. Oh, ta gueule. <laughs> euh, Est-ce que... On va, faire, on va faire ça. Est-ce que tu revois une bénédiction ou est-ce que tu dis moi vivant <laughs> Moi vivant, les bénédictions, c'est pour les salopes. <laughs> ce qui serait très violent. Ce qui serait, ce qui serait très. Moi vivant, jamais. Ok. Ok, j'espère. Attends, je, je, je clique les nouveaux monstres ou pas Parce qu'en vrai, en as eu trois. C'est pas mal. Euh... Non, non. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. On... <laughs> On, est, on y va, mais on n'est pas non plus des cons. Ok. Oliver. Oh, oh Ok. Est-ce que tu gardes. <laughs> moi vivant, ou est-ce que tu. <laughs> est-ce que tu. Voilà. Ouais. Moi vivant. Ok. 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 T'inquiète. T'inquiète. Celle-là, c'est la bonne, je pense. Celle-là, c'est la bonne. Camille. Laisse-moi regarder ta wishlist. Oh, tu l'avais pas Tu l'avais pas. Elle était pas dans la wishlist, mais tu ne l'avais pas. J'ai pas l'impression que tu l'avais. En vrai. Tu confirmes ou. Que les petits là. Je vais chialer. De joie <laughs> Attends, je regarde sur la wishlist de nouveau. Moi, je vois pas de Camille hein, sur la wishlist. C'est la première dans les doublons de June. Bah non, c'est Vanessa. C'est Vanessa, la première dans les doublons. Et dans les hauts, c'est Verad. Comprends pas C'est la haut que as eu, un hein. Dans la wishlist que tu m'as donnée, June. Oui, c'est moi. <laughs> Concentre-toi. Ok, attendez, 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 parce que là, il me prend pour un con. J'ai l'impression. Euh... Ok, ok. Ah, mais attends, c'est pas la même. C'est. Oui, j'ai cliqué sur la mauvaise wishlist. Ouais, c'est pour ça. Ça, c'est la wishlist de son pote. Mais oui, mais oui, regardez. Elle est là. Elle est là, bien sûr. Effective Among. Elle est là. Ah oui, bah depuis tout à l'heure, je regardais, je disais putain, bam, bam, on coche toutes les cases. Ça fait plaisir. Oui, bon. Ok, ok. Alors attends, 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 attends. Donc, et là, du coup, moi vivant ou pas toi vivant euh, Qu'est-ce que... Enfin, moi vivant, on fout. Ok, toi, t'es un bonhomme. Toi, t'es un bonhomme. Tu vas te récompenser, je pense, Oliver. Bam Oh, Raki Attends, laisse-moi voir un truc. Oh, tu l'avais pas Tu l'avais pas, hein Tu l'avais pas Tu l'avais pas, on est d'accord. Ça pue bien la merde, non non là je regarde la bonne wishlist Et je vois qu'il ne l'a pas Je vois qu'elle est pas dans les euh, J'ai pas let's go Ouais mais en vrai En vrai elle est pas mal Le 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 soul S'il vous plaît les gars Aidez moi un peu quand même Ok 10 000 légendaires tout attribut Tout augmenté évidemment Parce que là on veut du light and dark Pas toi qui décide Imagine Oh 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 Je crois que c'était la Ouais mais non la light ça aurait pas pu Ok j'ai ouvert mes narines et ça sent bien la merde. Waouh! C'est abusé, je suis au cul. Euh, ok. Dans ce Zolam. Ok. Chevalier de la merde. Ok! Imagine la dingue. Mmh, trice. Off. Allez, là. Allez, un petit truc qui clouerait le cul à tout le monde. Salut, lui le bec. C'est du light and dark. C'est obéron bam. On dîne. On est assez loin du... Quoi C'est quoi ça Gaijin Smart Launcher. C'est quoi cette merde Ah, Chemin d'accès War Thunder. Il est fou. Il est fou. Ok, on continue. Ok, Kung Fu Girl. Pour l'instant, on est ravis hein, par le tout attribut. <laughs> Ouais, après, attends, on est aussi, est, tu t'es fait régaler avec ça en vrai depuis le début. Sans faire le gars. Sans faire le gars, t'as eu quand même... Euh... Non Ok. On va passer rapidement, mais très rapidement, hein, sur, les, sur les Light and Dark. Euh... On va aller balancer tout ça. En plus, t'as eu la gentillesse de me dire, franchement, j'attends que des doublons sur les Transcendances. Comme ça, full light and dark. Et moi, ça, ça me rend heureux. Donc, on va aller, on va aller crafter tout ça. Il y en a quand même un petit paquet à crafter. Après, il n'y en a pas 100 non plus. Hein, parce qu'on parce que l'a régalé. On va faire ça. On va faire ça. La Juno, ça dégage. Ça gage des. Voilà. Euh, le Jamir, c'est cadeau. Ouais. Euh, la Camille. Ok. L'Atrice, je t'en envoie une quand même. Je t'en envoie une. Je t'envoie en la deuxième. Je t'envoie la deuxième. <laughs> je rigole, je pourrais pas. Et euh, ça, par contre, on en avait eu euh, un petit pack là. C'est vrai. Ok, Camille, voilà. Et est-ce que je te, est-ce que je t'éveille celle-là avant de l'envoyer euh, directement euh, au trou ou pas Je te l'éveille ou pas Éveille, s'il te plaît. Ok, ok. Euh... Paf, 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 paf. Frederica. Ouais, c'est histoire de dire, je l'ai dans la collecte, mais je l'ai pas sur moi quand même. Mais bon, hop, il y a des mecs que... pour qui c'est important. <laughs> je dis ça, mais je le fais aussi. Hein. Hop et hop, allez, ça c'est bon. Regardez, hein. regardez le nombre de légendaires de Lightender que ça va faire. Hop, et de 10, ok. Pensez que c'est fini, c'est pas fini. Et de 20, pensez que c'est fini, c'est toujours pas fini. Et de... et de 24, voilà. Alors, ça, si c'est pas de la Summon de Zinzin. La Simon s'il te plaît, il a eu 24 light and dark complètement gratos. Il reste plus qu'à espérer. Alors, nous avons quand même 88 light and dark. C'est pas euh, insane GG, mais c'est quand même pas mal. On y va. Bonne chance en vrai. En vrai, je te souhaite toute la chance qu'il faut. Chaque étincelle peut être euh, game changer. S'il y a une étincelle avec les nouveaux taux là, ça peut être vraiment stylé de fou. Sachant qu'il n'a pas de 5 notes light and dark, je crois, sur son compte, le Neosis. Ok. Ok. Allez, putain. Ok. Après. Ah, ok. Allez, le chat. Hein. Je crois en vous. Hein. Rip. OMG. F. Ouh. <laughs> Après, il y a un truc que vous oubliez, c'est que la bam, incrise les cooldowns. Et la bam, invulnérabilité. Et... Ouais. Récupère. Ah non, mais... Oh putain, elle a changé, elle. Récupère 10% de tes PV et pose un effet d'invisibilité pendant un tour sur l'allié au PV les plus bas. Toi-même exclu. Oh, c'est big. Oh, c'est big. Oublie plus. Oh, c'est big de fou. 95 de speed, c'est vrai. C'est vrai, mais vous êtes toujours dans la globalité. Moi, je, je vous regardez les détails, vous regardez le mob dans son ensemble. <laughs> ouais, non, franchement, mob de fou, MDF, mais, euh, mais on continue. Ok. Une étincelle sur 18 vélin. Le cul de Néosis, là, qui, euh, qui commence à enfler gravement. Mais, attention, tout est possible, tout est réalisable. Il reste beaucoup, beaucoup de Vélins. C'est parti. Oh, oh Ça peut être big Ça peut être big C'est big ou pas le chat C'est big ou pas OMG GG C'est quoi C'est 4 ou c'est 5 Je sais même pas si c'est 4 ou 5. C'est 4. Yennefer Light. Euh, on va regarder ce que ça vaut. Parce qu'en vrai, on n'a pas fait encore les Yennefer. Ah si, on a fait, je crois. Attaque la nuit pour poser sur lui un effet d'oubli pendant deux tours. Si on l'a fait, il absorbe 30% de sa jauge d'attaque. Et là. Lorsqu'un ennemi supprime des effets néfastes, les effets bénéfiques de cet ennemi sont supprimés également. Ensuite, ta jeu d'attaque augmente de 50%. Oui, on avait dit, c'est pas mal contre un. C'est niche, mais contre les mobs niches qui sont trop pète de couilles. Du genre Laima, Pontos, euh, Juno, toutes ces merdes-là. Non, elle pue pas sa mère. Elle... Franchement, je... je vais être honnête avec vous, elle pue pas sa mère du tout. Euh... Mito plus Palu, euh... It's Goddy, là. Tous les mobs pète couilles du genre Pontos, laima qu'on peut rencontrer en RTA qui vont à la fois cleanse et mettre des effets positifs, elle, elle va les bloquer. Donc euh, non, non, c'est... Et en plus, elle va rejouer en perma euh, parce, que, parce que 50% sur son buff. C'est euh, niche contre du niche, mais pour le coup, ça fait vraiment le taf. Ça me fait penser à... Putain, c'est quel mob aussi où t'es en mode, bon bah c'est un force ban... Euh... Ah euh, putain, je l'ai pas. Mais il euh, y a un autre mob qui est. Euh, je sais plus si il est 4 étoiles ou si il est 5 étoiles. Il est ultra niche, mais par contre, quand tu l'as et que tu en face t'as ce genre de compo il est force ban obligatoire. Putain. Euh... Bon, j'ai un trou de mémoire, mais je pense que je le, je le retrouverai. Non, sniper light, euh, c'est moyen. Mais c'est vrai que c'est niche sniper light, mais c'est moyen. Non, je pense que c'est un vrai joli mob pour le coup. On continue. C'est pas pour troll et tout. Je, je pense honnêtement que c'est sous-côté. Pour l'instant, bon, après ça vient de sortir donc les gens ils comprennent pas trop. Mais mais vous imaginez si l'aima genre elle sert à rien dans le game C'est quand même stylé. On continue. Ouais. Ouais. Allez, une autre étincelle. Allez, c'est putain. Allez. Allez, putain, aussi ça. Oh, le premier. Le premier. GG, oh putain, sympa, bien. Ouais Wadam, ça va, top tiers siège, ouais c'est pas mal. Je sais pas s'il si l'avait, mais c'est pas mal. Moi c'est vrai que je l'ai pas, j'ai toujours pas. Wadam. Euh, carré, let's go, let's go, on continue, on continue, on continue. On une bonne lancée là. L'harpie, le berman le mammouth de combat, le cerber, le minotaure. Allez, place-nous de, 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 de la grosse étoile là. De la grosse étoile. Je veux vraiment me faire Maxilda le chouper. <laughs> euh, ok. Allez. Euh. Ok. Elle était bizarre cette étincelle. Hein. Je veux pas faire le mec, mais elle était bizarre. Ah, ouf. Oh non. <laughs> ok c'est. Elle était très bizarre. Elle était très très bizarre. Elle est... Oh, on est d'accord. Elle avait un truc. Elle avait une odeur. Elle avait une odeur. Ok on continue. On continue. Allez, j'aimerais bien un petit. Voilà, un petit bac, tu back. Un petit bac, tu back. Ok le chat. Je compte sur vous. Hein. Je compte sur vous. Ok on dit night. On dit night. Oh. Ah. Mais non. Presque. Oh. à ah, je tire. À ça. À ça de Martinette. <laughs> Après, d'un autre côté, Bailey, ça fait des gros dégâts. Mais bon. Mais, mais bon. Comment ça fait un effort Il ouais, y, y, y a pas mal d'étincelles. Hein. Il a eu une belle subode hein, pour l'instant. Franchement, je ne veux pas faire le mec. Hein. Ok. 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 Allez. Allez, une petite. Euh Franchement, un back-to-back -back 5 nattes, là, juste histoire de dire voilà les stats dans ton cul, dans ton gros cul. Euh, ok, on continue. 19. Allez, putain, go. Ok. Ouh. Allez, un petit truc. Un hein. petit truc, petit truc stylé. Et c'est la fin. Sa mère rip. <laughs> oui. Corona. Mais t'inquiète, 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 on n'est pas infecté. Allez La dernière La last Enfin non, en vrai, en vrai, il y, y, y a la possibilité d'en mettre deux là. Ok Ok Ok, ok, je regarde pas Pas la même Pas la même Si dark C'est Banger ou pas C'est Banger <laughs> Non non, ça on n'a pas le droit. Ça, <laughs> ça on n'a pas le droit, ça. Non. Non, putain. Oh putain. C'est pas grave, c'est pas grave. Il m'en faut, il, il faut une dernière. Il m'en faut une dernière et ça va être banger dedans. Ça va être un, une, une dinguerie. Ça va être l'inexplicable. Allez. Allez, Mino. Donne tout, putain, oh. Ok, ça va être sur la laisse, ça va être sur la laisse. Ok, pas la même Pas la même, nique ta mère, <laughs> le jeu Nique ta mère, allez Pitié Pitié Si c'est encore la même, je me fous en l'air Sauvez GG, 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 OP Yes Let's go Let's go La Syrie Dark Oui, putain Ouais Let's go Putain! Yes! Bon, lead 28%, contenu de Guild attaque tous les ennemis deux fois. La première attaque supprime tous les effets bénéfiques et la seconde diminue la vitesse d'attaque pendant deux tours. Et la frappe clignotante attaque l'ennemi trois fois pour infliger des dégâts proportionnels à ta vitesse d'attaque et au max des PV de l'ennemi. Oh, let's go, putain. Oh, le strip into, euh, into euh, ronflax avec les 28%. Non, ça va être big, ça. Oh, let's go. Putain, OK, c'est pas fini, c'est pas fini, imaginez. Dommage. Putain, ça fait quand même deux fois où il y a pas de 5 Nath Light and Dark avec lui et il a quand même une Gigasumon mais bon, 88 Vélins, c'est pas si son quand même. Mais bon, on a quand même eu la chance d'avoir deux Yennefer Light. On a eu Wadam. on a eu Bélé. franchement les gens disent puce à mère, c'est vrai que par rapport à Martina, voilà, mais elle est, elle fait vraiment des gros dommages en arène pour le coup. On a eu Siri Dark. On a eu double Din Light, où là, euh, je n'ai pas d'excuse. <laughs> malheureusement, il pue bien sa mère. On a eu quand même une étincelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sur 88 vélins. C'est assez big. Je rappelle que le taux de proc, c'est 6,5. Donc, euh, on est au-dessus. Bon, malheureusement, il y a eu du double axe et tout. Mais il y a eu des mobs qui sont. Vra... Ouais, il y a eu des mobs euh, genre ça, qui est vraiment cool. Et, euh, et des mobs qui sont quand même pas dégueulasses. Sur la Summon au global, on a eu du très très bon. Euh, notamment si vous deviez me demander euh, elle qui pour moi euh, voilà. et Sonia putain je vais y arriver hein. Sonia qui est pour moi euh, un des mobs top tiers de la RTA euh, du moment hein. c'est quasiment force ban à chaque fois tu joues ça avec Vanessa euh, lit 33 euh, elle t'arrache un peu tout euh, on a eu Belenus qui n'avait pas Erika pour le PVE ça reste excellent on a eu. Euh, il, il manque pas des mobs on a, eu, on a eu en vrai Triton qui est un très très bon stripper avec sa vitesse de base qui est, qui est n'importe quoi. Diana, bah, pour moi, ça reste toujours un, un must-have où euh, si t'es contre une compo haut, euh, tu vas te goinfrer. Donc il faut, la, il faut la garder. Et après, par contre, on a eu aussi beaucoup de nouveaux mobs. Euh, le Geralt, euh, la Siri O, euh, qui sont des mobs où. Bah, et la feu qui sont des mobs où pour l'instant. Il euh, n'y a pas eu trop de data, donc on ne sait pas, mais s'il faut là-dedans, il y a du secret OP donc, euh, donc non, franchement, euh, je, trouve que, je trouve que ça va. en vrai sur la Simone hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 nouveaux, 11 nouveaux, plus les Light and Dark. Honnêtement, je trouve que elle est, elle est pas, on n'est pas dans une Simone 10 sur 10, mais on est clairement au-dessus de la moyenne, largement, je pense. Hein. Moi, je trouve que ça va. Euh, on va passer à la suite et à son co copain collègue. Euh, merci beaucoup d'avoir regardé, c'est combien de temps de vidéo ça 1h50 Ah non même pas, 1h41, Pff, cadeau. Merci beaucoup d'avoir regardé, j'espère que vous avez été jusqu'au bout, si c'est le cas, n'hésitez pas, bon en fait non, si c'est le cas, c'est juste vous avez été trop bon déjà, donc j'ai rien à vous dire, merci beaucoup, à bientôt, ciao